Matthieu 19, 6. Matthäus 19, Vers 6. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. On lit ça dans second. Second, lui second. Ceux qui ont second. Ouais, tu peux lire, ma sœur. Wir lesen es in es, Ludwig II. Et voici. 19, combien? 6. Ainsi, ils ne sont. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Auf Deutsch steht, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was okay. nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Alors que le grec dit, auf Griechisch steht, qui peut lire dans la BGC, là? Wer kann in der BOC lesen? Le verset 7. Vers 7. Le verset 7, c'est écrit, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. C'est un joug. Da steht, voilà, c'est le joug. Was nun Gott okay. unter einem Joch zusammengebracht hat. Voyez la différence, il y a une différence, non? Da gibt es einen Unterschied. Ce que Dieu a joint, was der Herr zusammengefügt hat, et ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Oder was Gott zusammen unter ein Joch gebracht hat. Qui croit qu'il y a une différence ici? Wer sieht hier einen Unterschied? Okay. Le grec im Griechischen dit ensemble sous un joug. Heißt es zusammen unter einem Joch. Et on comprend que le mariage est un joug. Und man versteht, dass die Ehe ein Joch ist. Et eux, ils ont trouvé que le mot était trop long, ils ont coupé, ils ont changé, ils ont mis joint. Und die Übersetzer fanden, dass das Wort zu lange war und sie haben einfach geschrieben zusammengefügt. D'accord? Amen. Alors, je vais encore aller plus loin. Le mariage, c'est quoi? Ich möchte noch weitergehen. Was ist die Ehe? Il y a un monsieur qui prêche en France. In Frankreich gibt es einen Prediger. Il dit que, und er sagt, en fait, selon Dieu, le mariage, er sagt, Gott meint, dass die Ehe, c'est quand vous avez des rapports sexuels. Donc, la première femme besteht, que vous wenn avez connu, ihr einen sexuellen Kontakt mit c'est einer, celle-là, votre femme. Mit einer Frau habt und die erste Frau, mit der ihr zusammen seid, ist eure Frau, c'est ça, le mariage, eure Ehefrau. Das soll Ehe sein. Voyez? Ça veut dire que nous avons des gros problèmes. Wir haben große Probleme. Alléluia. Maintenant, les gens vont me dire, mais c'est une nouvelle doctrine, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Manche sagen, ah, eine neue Lehre, was erzählt der uns? Alléluia. C'est pourquoi il faut vraiment se garder jusqu'au bout. Il faut garder sa virginité jusqu'au bout. Deswegen soll man seine Jungfräulichkeit bis zum Ende behalten. Chez les Juifs, lorsqu'une femme perdait sa virginité, bei den Juden war es so, wenn eine Frau ihre l'homme Jungfräulichkeit, qui avec, ihre Jungfräulichkeit verlor, musste der Mann sie heiraten. Celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec. In der Bibel steht, wer sich mit einer Prostituierten verbindet, wird ein Leib mit ihr. Maintenant, si on était dans le péché, dans l'ignorance, ok. Mais une fois qu'on a la connaissance, une fois qu'on a connu une femme, qu'on a eu des enfants avec, qu'on a été à la famille, et tout ça là, et, c'est. Früher waren wir in Sünde en fait, und in Unkenntnis, aber wenn man mit einer Frau Kinder hat und so weiter. Et on a vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas saisies, qu'on n'a pas compris, hein. Es gibt also viele Dinge, die wir noch nicht erkannt haben. Le mariage selon Dieu, c'est pas d'abord quand on va devant la famille ou à la mairie, c'est quand il y a un rapport sexuel. Voilà.
Quand tu dévierges une femme, elle perd son sang. Parce qu'elle a perdu son sang, elle te donne sa vie. Le sang, c'est la vie. Et là, tu as conclu une alliance entre elle et toi. Wenn du mit einer Frau schläfst und sie ihr Blut verliert, dann hast du sozusagen einen Bund mit ihr geschlossen. Im Blut ist das Leben und sie gibt dir praktisch ihr Leben. Oui, ma sœur. Avant, est-ce que toutes les personnes savaient ces choses? Comment, qu'est-ce que ça veut dire, comme vous venez d'expliquer là? Parce qu'ils ne savent pas, et dès que vous expliquez, c'est quelque chose de nouveau, vraiment devant tout le monde, même nous aussi. Donc tu es choqué, hein? Oui, c'est choqué parce que wir sind on était depuis longtemps wir erfahren dans les églises, mais personne n'expliquait exactement qu'est-ce que vraiment le mariage. Wir waren schon lange in den Kirchen oder Gemeinden und niemand hat uns bis jetzt das so erklärt wie du, was eigentlich Ehe bedeutet. Vous voulez qu'on en parle encore? Sollen wir noch mal drüber qui veut sprechen? Qu'on en parle encore? Wer möchte, dass wir über die Ehe sprechen? Frères et sœurs. Brüder und Schwestern. Oh Seigneur, Seigneur, donne-nous cette compréhension, ouvre notre entendement au nom de Yeshua. Amen. Que tous les sorciers se tiennent à carreau. D'accord? Le mariage. Die Ehe. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens vont en enfer. Viele Leute gehen in die Hölle. Beaucoup de chrétiens vont en enfer. Viele Christen auch gehen in die Hölle. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que le mariage. Denn viele verstehen nicht, was es bedeutet, die Ehe. Le mariage. Die Ehe. Quand on va devant la famille. Wenn man vor die Familie des là, c'est le côté officiel. Zukünftigen Partners tritt, ist das die offizielle quand Seite. On va devant le maire, wenn man vor den Bürgermeister geht, c'est aussi le côté officiel. Ist das die offizielle Seite der Ehe. Mais avant la famille, aber vor der Familie, avant la mairie, oder vor dem Standesamt, il y a Dieu. Muss man vor Gott gehen. Regardez le premier mariage. Schaut euch mal die allererste Eheschließung an. Adam et Ève. Adam und Eva. Ils n'avaient aucun parent. Da war kein Familienmitglied mit bei. Biologique. Kein biologisches Familienmitglied. Ils n'avaient aucune, y a aucune mairie, aucun maire, aucune. Damals gab es noch keinen Bürgermeister, kein Standesbeamten. Aucune loi humaine. Und kein menschliches Gesetz. Rappelez-vous bien de ceci. Hört gut zu, erinnert euch. L'évangile, das Evangelium, c'est ce message, ist diese Botschaft, qui nous ramène au fondement biblique, au fondement que Dieu a posé. Ist die Botschaft, die uns zur Grundlage dessen zurückbringt, was Gott als Fundament eingesetzt hat. Nous sommes d'accord ou pas? Sind wir einverstanden? Matthieu chapitre 19. Matthäus Kapitel 19. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais comme ich habe nicht vorhergesehen, darüber zu sprechen, aber der Herr hat uns so geführt. Dans la chambre, le Seigneur me donnait une pensée que je vais partager tout à l'heure, mais je vais d'abord parce que comme il nous conduit aussi à parler de la famille, donc on va commencer par là. In meinem Zimmer hat der Herr mir einen Gedanken gegeben, den möchte ich auch noch mit euch teilen, aber zuerst mal sprechen wir von Familie. Matthieu 19, 1. Matthäus 19, Vers 1. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jordan. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Et de grandes foules le suivirent, et de là il guérit leurs malades. Und es folgten ihm große Volksmengen, und er heilte sie dort. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Et il répondit et leur dit: er aber antwortete und sprach: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit:
Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie erschuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Und er sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Et s'attachera à sa femme. Und seiner Frau anhängen. Et ils deviendront comment? Une seule chair. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Il est dit ceci. Sodass sie nicht mehr zwei sind. Au commencement. Am Anfang. Dieu. Hat Gott. A dit que l'homme quittera son père et sa mère. Gesagt. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Qui est l'homme ici? Wer ist hier der Mann? Qui est l'homme ici? Was bedeutet hier der Mensch ce oder pas nous, der Mann? C'est pas d'abord nous. Nicht wir. C'est qui l'homme? Wer ist der Mensch? Hein? C'est pas d'abord, ouais, prophétiquement oui. Prophetisch ist es natürlich Jesus. Genèse nous dit. Im ersten Mose steht. Que Dieu a dit, regardez. Dass Gott. Vous voulez être enseigné? Qui veut être enseigné? Qui veut être bousculé? Wer möchte ein bisschen durcheinander gewirbelt werden? Alléluia. Amen. Genèse 2, 23. 2. Mose 2, 23. Et Marc, second dit quoi? Second dit quoi? Tonton Benoît, merci. 2. Mose 2, Vers 23. Second dit quoi? 1. Mose 2, Vers 23. Qui a lu second ici? En français? Ok, on y va. Je sais pas. Second 2. L'homme dit. Amen. L'homme dit. Qui a une autre second ici? Oui, hein? 1. Mose 2, Vers 23 steht. Second, qui a d'autres second? Da sagte der Mensch. 2, 23, c'est second, voilà. Je veux de, voilà. Et l'homme dit, d'accord? Und der Mensch, là, c'est second aussi. Der Mann oui. Sagte. Et l'éternel Dieu. Non, 23. 23, pardon. Verset 2, 23. Non, ça c'est 3. 2, là, 23, quelque part. Et l'homme dit, d'accord? Et l'homme dit, or, c'est une mauvaise interprétation, traduction ici. L'hébreu dit, et Adam dit, und Adam sprach. Parce que le mot traduit par l'homme ici, c'est Adam. D'accord? Denn das richtige Wort, das stehen muss, müsste heißen Adam. Okay. Das ist Segon n'a pas voulu traduire ça correctement. Mensch. Il a mis seulement l'homme. D'accord? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et ce, deswegen wird der la Mensch BG se dit quoi? Mann und, Vater und Mutter verlassen. Hein? Alors Adam dit. Alors Adam, ça change tout. Là Dieu dit Adam, second dit l'homme. Und die richtige mais c'est pas... Übersetzung müsste eigentlich heißen. Il faut préciser quand même là. Deswegen hat Adam Vater und Mutter verlassen. Donc quand Jésus dit dans Matthieu là-bas, c'est pourquoi l'homme, d'accord? Il voulait dire, il lisait, Jésus disait littéralement, c'est pourquoi Adam a quitté son père et sa mère. Or, son père et sa mère, c'était Dieu, Yahweh. Jesus aber wollte sagen, Adam hat Vater und Mutter verlassen, aber wer war Vater und Mutter von Adam? War Gott. Parce que Adam n'avait pas de mère et père biologique. Adam hatte nämlich keinen Vater und Mutter auf der Erde. Yahweh était son père et sa mère. Denn Yahweh war sein Vater und seine Mutter. Mais quitter ici, ce n'est pas abandonner Dieu. Aber verlassen hier heißt nicht Gott verlassen quitter ici, oder aufgeben. C'est prendre de nouvelles responsabilités. Sondern verlassen soll hier bedeuten, seine eigene Verantwortung auf sich nehmen. D'accord, c'est pourquoi l'homme, deswegen, c'est pourquoi Adam, deswegen hat Adam a quitté son père et sa mère, seinen Vater und seine Mutter verlassen, pour être un, pour devenir un avec sa femme, Eve, donc littéralement Eve.
mit seiner Frau zu werden, mit Eva also. Frère et soeur, écoutez bien. Hört gut zu, Brüder und Schwestern. Qui a marié Adam et Eve? Wer hat Adam und Eva verheiratet? Qui? Wer? Qui? Wer? Dieu. Gott est d'accord? Selbst. Gott selbst. Qui est l'initiateur du mariage? Wer also ist der Gründer der Ehe? Qui est l'instigateur du mariage? Wer hat die Ehe erfunden? Qui a mis en place la famille? Wer hat die Familie qui a posé erfunden? Le fondement de la famille? Wer hat die Fundamente der Familie gelegt? Vous comprenez? Voilà pourquoi dans nos pays maintenant aujourd'hui on dit que les homosexuels peuvent se marier. Parce que ce n'est pas l'homme qui a mis ça en place. C'est Dieu qui a mis le fondement de la famille en place. In unseren Ländern sagt man heute, die Homosexuellen können heiraten, aber eigentlich war Gott der Initiator. Vous comprenez? Vous commencez à comprendre? Versteht ihr? Et il est dit quoi? Was ist also gesagt? Dieu Gott a marié hat un homme et une femme. Einen Mann mit einer Frau verheiratet. Il n'a pas marié un homme avec deux femmes. Er hat nicht einen Mann mit zwei Frauen verheiratet. Il n'a pas marié deux hommes ou deux femmes. Er hat nicht zwei Männer miteinander verheiratet. Un homme et une oder femme. Zwei Frauen miteinander verheiratet. On est d'accord? Einen Mann und eine Dis Frau. À ton voisin, il n'y avait aucune mairie. Sag zu deinem Nachbarn, il n'y avait aucune dot. Standesamt. Rappelle à ton voisin, il n'y avait pas de dot. Es gab noch keine il n'y avait pas de dot. Mitgift. Alléluia. Es gab noch keine Mitgift. Alléluia. Est-ce qu'on Amen. Peut acclamer le Seigneur pour sa Wir parole, frères et sœurs? Für den Herrn. Qui commence à être délivré un peu là? Wer wird im Moment befreit? Alléluia. Dis à ton voisin. Sag zu deinem Il n'y avait pas de robe blanche. Früher gab's noch kein weißes Kleid. Alléluia. Il n'y avait pas de salle décorée. Keine dekorierten Säle. Alléluia. Alléluia. On acclame Jésus pour sa parole, frères et sœurs. Wir klatschen für Jesus, für dieses Wort. Ok, ok. Vous commencez à comprendre? Vous commencez Versteht à saisir? Ihr? Versteht ihr? Fangt ihr an zu verstehen? Posez-moi la question. Pourquoi Dieu a marié Adam et Ève? Stellt mir mal die Frage, warum hat Gott Adam mit Eva verheiratet? Il est dit dans Genèse. Im 1. Mose steht. 2:7. 2, Vers 7. Qui peut lire cela? Wer kann 1. Mose Kapitel 2, Vers 7 lesen? Dis à ton voisin, tu vas être délivré aujourd'hui. Il est dit quoi? Or Yahweh, Genèse 17. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Or Yahweh, Dieu forma l'homme, l'homme de la poussière de la terre. Ok, regardez. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. Dieu a marié Adam et Ève. Gott hat Adam und Eva miteinander verheiratet. Premièrement parce que c'est lui qui les a formés. Zuerst deswegen, weil er selbst sie kreiert hat. Donc ma sœur. Meine Schwester, si tu veux épouser un homme, wenn du einen Mann heiraten möchtest, assure-toi que c'est Dieu qui l'a formé. Musst du sicher sein, dass er von Gott geschaffen ist. Parce que si c'est son pays qui l'a formé, weil wenn er von seinem eigenen Land geschaffen wurde, son pays dira, tu peux divorcer. Wird sein Land ihm sagen, du kannst dich scheiden lassen. Parce que nous avons des juges pour le divorce. Weil wir haben nämlich Richter, die nous avons des avocats pour ça. Wir haben Anwälte, die scheiden Mais si c'est Dieu qui l'a formé, aber wenn Gott ihn geformt hat, même s'il y a des problèmes, selbst wenn es später Probleme gibt, l'homme va retourner vers son fabricateur. Wird, Gott, wird der Mensch zu seinem Schöpfer zurückgehen? Il va retourner vers son créateur. Der Mann wird zu seinem Schöpfer gehen. Quand une voiture tombe en panne, wenn dein Auto on va chercher les pièces de rechange chez le fabricant. Geht man zum Fabrikanten zurück. Et quand dans un couple ça va mal, und wenn es in einer Ehe schlecht l'homme läuft, doit aller voir la notice. Muss der Mann auch zum Fabrikanten zurückgehen. La notice. Quand on achète un appareil électronique, il y a une notice. Ah, dann muss man die Bedienungsanleitung lesen. Et là on vous dit comment utiliser l'appareil. Dann weiß man mit der Gebrauchsanweisung, wie man diesen Apparat voilà notre notice.
Das ist unsere Gebrauchsanweisung. Amen. Halleluja! Amen. Et la notice dit, und diese Gebrauchsanweisung l'amour sagt, die supporte Liebe, tout. Die Liebe erträgt alles. Halleluja! Amen. L'amour pardonne tout. Die Liebe vergibt alles. L'amour espère tout. Die Liebe hofft alles. Ça veut dire quoi? Was soll das bedeuten? La femme que tu as dévirgée, die Frau, die du entjungfert hast, celle qui a versé son sang, là, diejenige, die ihr Blut für dich gegeben toi qui hat, a la connaissance, là, und du, der du Kenntnis c'est ta besitzt, femme. Diese Frau ist deine même Frau. Si elle devient grosse, tu dois la supporter. Sogar wenn sie dick wird, wirst du sie immer noch lieben müssen. Alléluia! Amen. Ton mari, dein Mann, même s'il vieillit, tu dois le supporter. Sogar wenn er alt Amen. Wird, musst du ihn ertragen. On va en arriver, on va arriver, là, on va arriver. Wir werden das schon alles anschauen. Il nous faut une réforme. Wir brauchen eine Reform. Pourquoi Dieu les a mariés? Warum hat Gott sie verheiratet? Premièrement parce que c'est lui qui les a formés. Weil er selbst hat sie geformt. L'hébreu dit ici. Im Hebräischen steht. Formé, c'est formé par la pression de la, des eaux. Bedeutet, la chaleur. Bedeutet formen. Le brisement. Durch Druck und la croix. Durch hohen Druck, durch Wasser, durch Hitze formen. La mort à soi-même. Da stirbt man sich selbst. En fait, pour devenir un, um eins zu werden, il faut mourir. Musst du sterben. Alors, frère, Brüder, Dieu prend la côte, Gott nimmt also eine Rippe, qui était déjà dans l'homme, die schon im Menschen war, l'homme formé, in dem geformten Mann, et il l'amène devant Adam. Und er bringt diese Rippe vor Adam. Quand Dieu dit et l'homme et la femme deviendront une seule chair, wenn Gott sagt, der Mann und die Frau werden ein Fleisch sein, il veut dire littéralement, möchte er uns damit sagen, que par les rapports sexuels, durch sexuellen Kontakt, ils deviennent un, werden sie eins. Ils deviennent tellement un, sie werden so sehr eins, que l'homme, dass der Mann, n'est-ce pas, donne 50% de lui-même, 50% von sich aufgibt à cet enfant qui va arriver et la femme donne aussi 50% d'elle-même. Wenn ein Kind gezeugt wird, dann bekommt dieses Kind 50% vom Vater und 50% von der Mutter, die Chromosomen XY. Si vous regardez un enfant, tel que vous êtes là, nous sommes les enfants de nos parents. Wenn ihr mal ein Kind ansieht, nous avons 50% de nos pères et 50% de nos mères. Haben wir 50% von unserem Vater L'unité. Und 50% von unserer Mutter bekommen. C'est-à-dire, il y a pas oh, l'homme a donné 60% la femme 40. Non. Es ist nicht so, dass der Vater 60% und die Mutter 40% c'est gegeben 50, hat. Nein, 50. Sondern 50-50. Voilà l'unité. Das ist die Einheit. Donc la femme n'est pas moins importante que l'homme. Die Frau ist also nicht weniger wichtig als der Mann. Les deux sont égaux. Sondern die beiden sind gleichwertig. Vous comprenez? Versteht donc ça ihr? Veut dire quoi? Was heißt das toi, also? Tu as couché avec une femme, tu as donné 50%? Du hast mit einer Frau geschlafen und 50% gegeben. Et tu vas prendre encore, tu vas prendre une autre femme à gauche, à droite? Mais non, mais Dieu n'a pas prévu les choses comme ça. Und du möchtest noch andere Frauen nebenbei haben? Nee, Gott sieht das nicht so. C'est pourquoi chez les Hébreux, deswegen müssen die Hebräer, quand une femme vierge était déviergée, als eine Jungfrau entjungfert wurde, l'homme qui l'avait déviergée devait absolument la marier officiellement. Musste der Mann diese voilà. Frau ganz dringend heiraten und zwar offiziell. Il devait même payer une dot pour la récompenser, récompenser sa famille. Er musste auch eine bah Mitgift oui. ihrer Familie geben. Écoutez. Versteht. Je vais prendre un exemple. Ein Beispiel. Pour vous montrer que le mariage, c'est d'abord, c'est les rapports sexuels. Selon la Bible, c'est pas quand on va à la famille ou à la mairie comme on croyait. C'est d'abord la famille. Je vais vous donner un exemple. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Vous avez un homme et une femme. Ein Mann und eine Frau. Les deux ont perdu leurs parents.
Die beiden haben ihre Eltern verloren. Il y a plus de famille. Keine Familie mehr. Et ils habitent dans une forêt. Und sie leben im Wald. Il n'y a pas de loi. Kein Gesetz. Vous allez leur dire quoi? Was wollt ihr denen denn weisen? Ma soeur, faut que tu, mon frère, faut que tu payes la dot. Mein Bruder, du musst die Mitgift bezahlen. La femme va te dire, mais j'ai plus de parents. Aber der Mann wird sagen, ich habe aber keine Eltern mehr. Die Frau wird sagen, ich habe keine Eltern mehr. Il y a des cas comme ça. Solche Fälle gibt es auch. Bon, il n'y a pas de parents, ok, mais trouvez une mairie. Mais on est dans une forêt, on est des Pygmées. Aber sucht wenigstens ein Standesamt auf. Aber wir sind doch im Wald. On est des Indiens en Amazonie ou des Indiens dans la réserve canadienne ou américaine. On fait comment? Wir sind Amazonas-Indianer und haben wir hier kein Standesamt. Il n'y a pas de loi chez nous ici, des lois humaines. Hier gibt es nur unser Amazonas-Gesetz. Vous allez évangéliser ces gens-là comment? Wie wollt ihr diesen Menschen das Evangelium verkünden? Non, allez en France, allez aux États-Unis, allez vous mal devant le maire, on Nein, on connaît pas tout ça là. Ihr müsst nach USA oder nach Frankreich fahren, um euch da standesmäßig zu verheiraten. Et c'est là qu'il faut leur dire, voilà ce que la parole dit. Aber da müsst ihr ihnen beibringen, dass Gott prenez un engagement devant Dieu. Ihr sollt vor Gott euch zum Parce que anderen vous n'avez pas de lois humaines. Weil ihr habt keine menschlichen Gesetze, keine Familie. Est-ce que vous me comprenez un peu là? Versteht ihr mich? La loi qui prime, c'est la loi de Dieu. Das Gesetz, das zählt, ist das Gesetz Gottes. Maintenant, si l'on est dans un pays organisé, il faut aller à la famille, il faut aller à la mairie. Ça, nous sommes d'accord. Wenn wir also in einem gut durchstrukturierten Land leben, müssen wir diese Gesetze einhalten. Donc, quand on était dans le monde, und als wir in der Welt waren, toutes les femmes avec lesquelles nous sommes partis ou les hommes là, c'était nos femmes et nos maris selon Dieu. Donc waren, des polygames et des bigames. Waren nach Gott zufolge hein? Alle et Männer und Frauen, mit denen wir geschlafen haben, unsere des, Männer und unsere Frauen. Polygamie. Des polygames et des polyandres. Polygame und polyandre. Polyandrie. Polyandrie c'est polyandre. Ah ben c'est bon, c'est en allemand aussi. Ich denke schon. Voyez? Donc ça veut dire que toi ma sœur, und du, meine Schwester, si tu calcules tous les hommes avec qui tu es parti, wenn du alle Männer zusammenzählst, mit denen selon du zusammen Dieu, c'était tous tes maris. Waren die alle deine Männer? Tiens, ton voisin, c'est grave. Das ist schlimm. Collectionneuse, collectionneur. Ihr seid Sammler und Sammlerinnen von Tiens, ton voisin, und nous avons des problèmes. Wir haben Problem. Alléluia! Amen. On acclame la parole de Dieu, frères et sœurs. J'arrive. On en arrive. Corinthiens 1 Corinthiens 6 vers 16. On a besoin de délivrer. Wir müssen befreit werden. Il est dit quoi? Was steht da? Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devint un même corps avec elle? Ah! Car il est dit, les deux deviendront une même chair. Est-ce que c'est Chora qui le dit ou c'est la Bible? Im 1. Korinther 6, qui dit, qui parle ici? Oder wisst ihr nicht, dass wer c'est la der parole Hure de Dieu. Anhängt, ein Leib mit ihr ist, ne, ne savez-vous pas? Wisst ihr nicht, celui qui s'unit dass wer der Hure sexuellement anhängt, ein Leib mit ihr ist, avec une prostituée. Ça veut dire quoi une prostituée? Qui est une prostituée? Wer ist eine Hure oder eine Prostituierte? Voilà. Collectionneur. Prostituée, c'est quelqu'un qui vend son corps. Prostituiert ist jemand, der seinen Körper verkauft. Quelqu'un qui aussi trompe son mari. Auch jemand, der seinen Ehemann betrügt.
Dieu appelait Israël la prostituée. Parce que Israël, en tant que femme, avait un homme, Dieu, Gott, un mari. Gott nannte Israel eine Prostituierte, denn Israel als Frau hatte einen Mann, und zwar Donc, Gott. Donc même quand tu prends la femme de ton voisin qui est déjà marié, wenn du also die Frau deines Nachbarn nimmst, der schon verheiratet cette femme, ist, selon Dieu, devient aussi ta femme parce que vous devenez un seul corps. Wird diese Frau auch deine Frau, denn grave, ihr werdet ein Leib. Donc lors du jugement, beim Gericht also, beaucoup de gens vont se rendre compte que ils avaient plusieurs femmes et plusieurs maris. Werden viele Leute sehen, ich hatte ja mehrere Männer und mehrere. Ils vont dire à Dieu, mais comment non, moi j'avais une seule femme. Aber sie werden Gott sagen, ich hatte war doch nur einmal verheiratet. Dieu dira, c'est ce que vous croyez dans votre raisonnement, vos traditions. Gott sagt, das denkt ihr in euren Denkweisen, in euren menschlichen Denkweisen. Mais pour ma selon ma parole. Aber in meinem Wort toutes steht, les fois où tu as couché jedes Mal, wenn du avec des femmes, avec des hommes, mariés ou célibataires, mit Männern oder Frauen geschlafen hast, entweder vous étiez devenu une seule chair. Seid ihr ein Leib geworden. Oh Dieu, sauve-nous. Gott, helfe uns. Donc, quand on comprend les choses selon Dieu, wenn man also die Dinge nach Gott versteht, on réalise à quel point Dieu ne voulait pas que les gens tombent dans l'impudicité, que les gens aient des rapports sexuels n'importe comment avec n'importe qui. Versteht man, dass Gott überhaupt nicht wollte, dass man mit anderen Menschen sexuellen Kontakt hat? Oh Seigneur. Oh Herr. Et en plus de cela. Und außerdem, vous allez voir des hommes qui ont pris une femme. Werdet ihr Männer treffen, die eine einzige Frau geheiratet haben. Qui vont avoir des enfants avec. Und mit dieser Frau hatten sie Kinder. Et du jour au lendemain, ils disent non, j'ai laissé ma première femme parce qu'elle m'avait trompé avec ma famille et j'ai pris une deuxième femme, j'ai pris fait des enfants avec. Mais attends. Und der Mann sagt auf einmal, nee, diese Frau hat mich irgendwie betrogen und ich nehme eine andere Frau. Et moi je dis au frère. Und möchte mit der Kinder haben. Oui, on a écouté le frère qui a parlé de sa première femme avec qui l'aurait trompé. Mais cette femme là, est-ce qu'on l'a écouté? Wir haben mit einem Bruder gesprochen, der Dieu von seiner Frau betrogen nous a créé wurde. Deux oreilles. Aber diese Frau muss man auch anhören. On écoute un côté et de l'autre côté avant de juger. Gott hat uns mit zwei Ohren geschaffen. C'est ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Eine Seite an und dann die andere und Frères dann et sœurs, fällt man sein Gericht. Des gens qui ont fait des enfants hier. Leute, die früher des Kinder hommes, gemacht haben. Des hommes surtout d'abord des chefs. Besonders die Männer. L'homme est le chef. Der Mann ist der Chef. Et qui laisse la famille avec les enfants. Und die diese Frau mit ihren Kindern zurücklassen. Frères et sœurs, toute une famille constituée. Eine ganze Familie lässt du zurück. Et qui constitue une deuxième famille. Und er gründet eine neue Familie. Avec des enfants. Mit Kindern. Et ça abandonne une autre. Vous vous rendez compte und gibt diese dans Familie quel mélange auf. Nous sommes. On ne voit pas ça chez les Hébreux. Stellt ihr fest, in welchem Durcheinander wir uns befinden. Bei den Hebräern gibt es sowas nicht. C'est facile à un homme de venir et de dire, ma femme avec qui j'ai eu des enfants, on était mariés et devant Dieu parce qu'il y a eu le sexe. Devant la famille, devant la mairie, le maire, ma femme m'a trompé, donc on s'est séparé, c'est fini, parce que la Bible dit es quoi? C'est très simple pour un homme de dire, ma femme, avec qui j'ai eu des enfants, m'a trompé, et deswegen lasse ich sie. Je veux dire à la plupart des Africains qui sont là. Ich spreche hauptsächlich zu den Afrikanern, même aux Allemands, sind, auch Deutsche. Nous avons même quand on était dans le péché dans le monde là, on avait la conscience, on avait nos pays quand même sont évangélisés. Unsere Länder sind doch evangelisiert. Il y a quand même la connaissance de la parole un peu. Man kennt doch das Wort Gottes ein bisschen. C'est pas comme les bouddhistes, c'est pas comme les Wir sind doch hier nicht in buddhistischen Ländern, sondern wir kennen uns doch eigentlich aus. Frères et sœurs. Brüder und Schwestern. Moi, tu sais, la connaissance évolue, on grandit. Et Dieu nous éclaire. Wir wachsen in der Kenntnis und der Herr führt uns in neue Erkenntnisse. Oh Dieu, sauve-nous. Gott, rette uns. Qui se rend compte que nous avons des problèmes? Wer merkt, dass wir Probleme haben?
C'est grave. Das ist schlimm. Devant Dieu. Vor Gott. Une famille constituée. Ist eine Familie, die erschaffen wurde. Der Mann. Prend une femme. Der Mann nimmt eine Frau. Couche avec. Schläft mit ihr. Une première fois. Ein erstes Mal. Fait des enfants en plus de cela. Und macht noch dazu Kinder. C'est-à-dire, mit il y a eu la concrétisation de leur union devant Dieu. Die Konkretisation ihrer Einheit vor Gott. L'homme a donné 50% de lui-même, la femme 50%, et ça a donné le fruit. Ist das Kind. Das Kind macht die Ehe konkret. Es ist die Frucht der Union zwischen Mann und Frau. Et l'homme dit, und der Mann sagt, ma femme était une sorcière. Meine Frau war eine Hexe. Ma femme ou mon mari était sorcier. Mein Mann oder meine Frau war ein Zauberer. Ou encore, on était dans le monde. Wir waren noch in der Welt. Mais attendez, 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 attendez. Aber warte mal. Ah? Bah oui. Attendez, 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 attendez. Wartet mal. Oh là là, qu'est-ce que le frère nous dit là aujourd'hui là? Was sagt uns dieser Bruder heute? Qui veut aller au ciel? Wer möchte in den Himmel kommen? Aha. Ah, il y en a qui veulent aller en enfer. Hein? Manche möchten in die Hölle. Regardez. Vous savez pourquoi Salomon a eu 700 femmes officielles et 300 concubines? Wisst ihr, warum Salomo 700 Frauen hatte und 300 Konkubinen? Vous savez pourquoi? Wisst ihr, warum? À chaque fois, comme il connaissait la loi de Dieu, weil er das Gesetz Gottes kannte, à chaque fois qu'il couchait avec une femme, jedes Mal, wenn mit einer Frau geschlafen hatte, c'était les vierges, bien sûr. Nur mit Jungfrauen natürlich. À chaque fois qu'il couchait avec une vierge. Jedes Mal, als mit einer Jungfrau geschlafen hat. Elle devenait sa femme. Musste sie heiraten. Et aujourd'hui, on joue avec la sexualité. Non, on va goûter un peu 5 minutes. Et puis après, aber si ça marche pas, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est pas un bonbon. Und heute spielt man mit Sexualität. Man probiert es 5 Minuten aus und wenn es einem nicht gefällt, nimmt man sich die nächste oder den nächsten. Ça couche dans les assemblées, ça couche entre musiciens. In Gemeindeversammlungen schlafen sie zusammen, unter Musikern schlafen sie zusammen. Tout le monde voit le pasteur aujourd'hui avec sa femme aujourd'hui. Et demain, la femme n'est plus belle, il prend une jeune femme. Der Pastor hat eine Frau, sie wird älter und dann nimmt sich eine jüngere Frau. Vous vous rendez compte de l'état de nos églises, nos pays? Seht ihr den Zustand unserer Länder, unserer Gemeinden? Dieu dit, Gott sagt, je hais, ich hasse, je hais, ich hasse, la répudiation. Je hais la répudiation. Ich hasse Scheidung. Dans Malachie 2. In Malachi 2. C'est un mot fort que Dieu utilise ici. Il Gott benutzt hier ein strenges Wort. Er hasst. C'est pourquoi? Deswegen. Il a dit que l'amour supporte tout. Sagt die Liebe erträgt alles. Alléluia. Dans vos églises, les pasteurs divorcés, remarquez, quittez ces églises-là. Prenez vos jambes à vos cou. Je vous dis, partez. Dans vos églises là, où les apôtres couchent avec des femmes là, prenez vos enfants, courez. Wenn die Apostel courez, quittez-les. Dann verlasst sie. C'est pourquoi quand on va dans un pays là, ils ne veulent pas me voir là, ils veulent pas, ils disent l'antéchrist vient, voilà. Ces antéchrists qui croient que nous sommes antéchrists. Dann sagt man, der Antichrist kommt. Avec pasteur, prédicateur, on te pastor, voit avec une femme. Und man sieht dich mit einer Frau. Et le lendemain, c'est une autre femme qui vient, tu changes de couleur comme une chemise. Und anderer Tag, eine andere Frau, du wechselst die Frauen wie die Hemden. Alléluia! C'est pourquoi aujourd'hui, deswegen, si je dois collaborer avec quelqu'un, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, s'il était marié avec des enfants, même s'il était païen, je dois écouter sa femme ou son mari pour qu'on me dise qu'est-ce qui s'est passé. Wenn jemand verheiratet war, Alléluia! Muss ich auch seine Frau anhören. Nous devons mener des investigations. Wir müssen nämlich Recherchen anstellen. Mon frère,
Mein Bruder. Tu étais marié, oui. Du warst verheiratet, ah, non, ja. Mais j'étais païen. Bon, est-ce que tu as des enfants, ich, oui. Ich war Heide. Ja, hast est-ce du que tu étais marié devant Frau? Le maire, oui. La famille, oui. Ja, oh, ma femme m'a trompé. Je veux la rencontrer. Mit Familie und Standesamt? Ja. Je dois rencontrer ta première femme. Ich muss auch deine Frau zu Rate ziehen. Et c'est là qu'on découvre des choses. Und dann entdeckt man Dinge. C'est là qu'on découvre que non, mais c'est pas moi qui l'ai trompé. Ou si je l'ai trompé, c'est parce que lui, il m'a poussé dann, à cela. Donc tu es la cause de la chute de ta femme. C'est toi le méchant. Und dann entdeckt man, dass du vielleicht deine Alleluia! Frau zum Ehebruch gebracht hast oder dass du deinen Mann zum Ehebruch gebracht hast. Mes frères, écoutez bien le message. Meine Brüder, hört gut zu. Qui a mangé le premier le fruit? Wer hat als erstes die Frucht gegessen? La qui? La femme. Qui? Wer hat als erstes die Frucht gegessen? Eve, la femme. Vrai ou faux? Stimmt's? Eva hat qui die Frucht gegessen. Qui a été condamné le premier? Wer ist als L'homme. Erstes? Qui a été reproché tout le premier? L'homme. Wer ist als erstes geschimpft worden? Le chef. Der Chef ist als erstes geschimpft worden. Quand un pays va mal. Wenn's in einem qui doit-on juger le premier? Le président. Le chef. Dis à ton voisin, le chef. Gerichtet werden, der chef. Quand il y a le chômage, on juge qui? Le chef. Wenn es Arbeitslosigkeit gibt, wird der Chef angeklagt. Alléluia. Écoutez. Moi, je sais que j'aurai encore beaucoup d'ennemis. Ich weiß, ich werde wieder viele Feinde bekommen. Je sais. Comment? Amen. Alléluia. On va tout dire. Ich werde alles sagen. Écoutez, Eve a mangé la première le fruit, n'est-ce pas? Eva hat zuerst gegessen. Adam n'a pas dit. Und Adam hat nicht Adam gesagt. Adam a dit ceci. Was hat Adam gesagt? C'est la femme. Er hat die Frau angeschaut. La femme. Das war die Frau. C'est la femme. Das war die c'est Frau. C'est la femme. Das war die Frau. C'est, ton voisin, c'est la femme. Das okay. War die Frau. Et Dieu a dit quoi? Divorce? Was hat Il a dit gesagt? Tu vas la garder. Scheidung? Nein. Alléluia. Gesagt, tu vas là? Tu vas là? Diese Frau behalten. Oh, ma femme m'a trompé. Tu vas là? Garde. Diese Frau hat mich betrogen. Du wirst sie behalten. Moi j'étais connu avec une femme, j'étais connu avec. Non, mais frère, écoutez. Hör donc vous zu. Comprenez que. Versteht mal. C'est facile de dire, ben, on était mariés à la mairie. Sagen, wir sind am Standesamt verheiratet worden. On était mariés à la famille et puis on n'était pas convertis. C'est, sind mais Dieu mit était der là. Familie verheiratet worden und wir waren noch nicht bekehrt. Quand tu couchais, même aber, païen, tu étais aber, là. Aber Gott war da. Selbst als du Heide warst und hast quand, mit jemandem geschlafen, war Gott da. Quand cette femme était enceinte païenne, tu étais là? Und diese Heidin, als sie schwanger war, war Gott auch da. Oh Seigneur, mais c'est quoi là? Oh, alors ja. Chacun commence à s'examiner. Jeder denkt über sein eigenes Leben jetzt nach, oder? Donc, tel qu'on est là, nous qui sommes tel qu'on est frères, tu prends une femme vierge. So wie wir da sind. Combien de femmes vierges que tu as déviergées toi dans ta vie? Combien? Wie viele Frauen hast du entjungfert, du, der du hier sitzt? Regardez. Schau mal. Une femme n'oublie jamais son premier mari, son premier homme. Vrai ou faux? Eine. Vrai ou faux? Eine Frau vergisst niemals. Tu peux oublier les Jean-Pierre, les Jean-Jacques, les Jean-Philippe, tout ça. Du kannst mais Peter, Jakob, Jean-Marc, le premier là. Il est gravé là-dedans. Aber Markus, den ersten, wirst du nie vergessen. À moins que tu sois frappé d'une maladie là, mais le premier on l'oublie jamais. Vrai ou faux? Also, du hast soyons sincères, vrai ou faux? Aber sonst wirst du ihn nicht vergessen. Posez-moi la question, pourquoi on l'oublie pas? Stellt euch die Frage, warum vergisst le jour où tu as perdu ton sang là, tu oublies ça? Wirst du vergessen den Tag, an dem du dein Blut verloren hast? C'est pourquoi les jeunes filles vierges, attendez avant de. Si vous attendez. Ihr junge Frauen und Mädchen, jusqu'à ce que Dieu vous dise, c'est lui l'homme de votre vie.
Ihr sollt warten, wenn Gott euch sagt, das ist der Mann eures Lebens, et dann erst. Quand vous êtes dans un pays, nous sommes dans un pays organisé, allez devant la mairie, chez les parents, et là vous pouvez maintenant consommer comme Jacob, tout ça. D'accord? Und weil ihr in einem organisierten Land wohnt, müsst ihr erstmal vor Standesamt gehen, vor die Eltern, und dann könnt ihr die Ehe vollbringen. J'ai mon corps, je fais ce que je veux sur mon corps. C'est quoi ton corps? Es ist mein Körper, ich tue doch, was ich möchte damit. Was ist dein Körper? Qui n'a jamais été enseigné comme ça? Wer wurde so noch nie gelehrt? Malachi 2. Malachi 2. Qui peut nous lire le verset 15? Malachi 2, Vers 15. Malachi 2, verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ah! Und hat sie nicht zu einem gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist. Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben. Und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos. Denn ich hasse Scheidung. Qu'aucun ne soit infidèle à qui? Keiner soll untreu sein. La femme de sa jeunesse. An der Frau deiner Jugend. Et Dieu dit, qu'il était témoin. Hein? C'est lequel verset là où Dieu dit qu'il était témoin de ce mariage là? Gott sagt, war Zeuge. Malachi 2 là-bas. Malachi 2. Yahweh a été témoin. Gott war Zeuge. Verset 14, quelqu'un peut le lire? Vers 14. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Ah! Weswegen? Yahweh. Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist. Yahweh a été témoin entre toi et qui? Yahweh war Zeuge zwischen dir et la femme de ta Frau deiner Jugend. Jeunesse que tu as? An der du treulos gehandelt hast. Bah oui, quand tu étais jeune. Als du jung warst. Tu as couché avec une femme pour la première fois. Hast du das erste Mal mit einer Frau geschlafen? Sie hat ihr Blut verloren. Et tu l'as trahi parce que tu l'as quitté pour prendre une autre femme. Und du hast sie betrogen Dieu und eine andere Frau genommen. Gott war Zeuge. Ah, la sœur qui dort, on va la réveiller un peu. Ça va? Weckt mal diese Schwester auf. Dis à ton voisin, Dieu est le premier témoin. Sag zu deinem Nachbarn, der Herr war der erste Zeuge. Oh, c'est mon parrain. Le couple là, c'est parrain et marraine, tout ça là. De l'autre, Dieu est le premier témoin. Il est là, il voit. Er war der erste Hochzeitszeuge. Er war da. Trauzeuge. Bah oui. Mm-hmm. Oui, frère. Nous qui avons connu beaucoup de femmes. Maintenant, on est mariés. Qu'est-ce qui se passe? Mais hier, tu étais marié aussi. En couchant, en fait, tu étais marié aussi. Oui, mais je dois divorcer à toutes celles-là ou bien? Was sollen wir tun? Wir waren mit très bonne question. On acclame le Seigneur. Wir hatten mit vielen Frauen geschlafen und jetzt sind wir verheiratet. Was soll ich jetzt mit den anderen Frauen tun? Comment tu dis quoi? Il va divorcer comment quand le sang était déjà. Bah oui. En fait, toutes les fois où tu as eu
Tu peux dire à peu près combien de femmes tu as connues dans ta vie? Juste une idée. Non, on est en famille. Non, mais... Plus de 100. Plus de 100. Ich hatte, notre frère était marié 100 fois. Unser Bruder hier war 100 Mal verheiratet. Parce que pour Dieu, weil für Gott, à chaque fois que tu connais une femme, jedes Mal, wenn du mit einer Frau zusammen bist, tu es avec. Mais si on veut encore être plus biblique, c'est les femmes que tu as déviergées. Das sind Frauen, die du entjungfert hast. Non, tu n'as pas connu 100 vierges. Donc, toutes les. Il y a eu des vierges, non? Donc, toutes les vierges avec qui tu as couché, parce qu'elles avaient perdu leur sang. Alle Jungfrauen, mit denen du geschlafen hast, haben devant Dieu, c'était tes femmes. Haben ihr Blut verloren und vor Gott Dieu waren est sie contre deine, la polygamie. Vor Gott waren sie deine Frauen. Donc, non seulement que ces femmes, ces vierges étaient devenues tes femmes, en plus, tu étais polygame, donc. Contre aussi le Seigneur. Du hast also Leute entjungfert und du warst auch polygam, weil du auch andere Frauen gehabt hast. Prenons Deutéronome 22. 5. Mose 22. En fait, ces 100 femmes, parmi ces 100 femmes, les vierges étaient des femmes et celles qui n'étaient plus vierges avec qui tu as couché trompaient leur mari avec toi. Leurs maris qui les ont déviergés. Alle Frauen, die mit dir geschlafen haben und von ihren eigenen Männern entjungfert wurden, haben es auch Ehebruch begangen. Verset 13. 5. Mose 22, Vers 13. Si un homme a pris une femme et est allé vers elle et qu'il la haïsse, wenn ein Mann eine Frau nimmt und zu ihr eingeht und er hasst sie, et qu'il lui impute des choses qui donnent l'occasion de parler d'elle et de la diffamer en disant, und legt ihr Taten zur Last, die sie ins Gerede bringen, j'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle, je ne l'ai point trouvée vierge, und bringt sie in schlechten Ruf und sagt, diese Frau habe ich genommen und mich ihr genaht und habe die Zeichen der Jungfrauschaft nicht an ihr gefunden, alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de ça, de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville à la porte. Dann sollen der Vater der jungen Frau und ihre Mutter die Zeichen der Jungfrauschaft der jungen Frau entnehmen und zu den Ältesten der Stadt ins Tor hinausbringen. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il a haï. Dann soll der Vater der jungen Frau zu den Ältesten sagen, ich habe meine Tochter diesem Mann zur Frau gegeben und er hasst sie. Et voici, il lui impute des choses qui lui donnent l'occasion de parler d'elle, disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Cependant, voici les signes de la virginité de ma fille. Und siehe, er legt ihr Taten zur Last, die sie ins Gerede bringen, indem er sagt, ich habe an deiner Tochter die Zeichen der Jungfrauschaft nicht gefunden. Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville prendront le mari et le châtieront. Et parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Et elle sera sa femme et il ne pourra la répudier tant qu'il vivra. Dies hier sind nun die Zeichen der Jungfrauschaft meiner Tochter und sie sollen das Tuch vor den Ältesten der Stadt ausbreiten und die Ältesten jener Stadt sollen den Mann nehmen und ihn züchtigen und sie sollen ihm eine Geldbuße von 100 Schekel Silber auferlegen und sie dem Vater der Jungfrau geben, weil er eine Jungfrau in Israel in schlechten Ruf gebracht hat und sie soll weiterhin seine Frau sein, er kann sie nicht entlassen, alle seine Tage. C'est chaud. Tiens, ton voisin, c'est chaud. Das ist ein heißes Eisen. Non, il n'a pas entendu. Ein heißes Eisen. Cette loi, dieses Gesetz, elle n'est pas la loi, comment dire, cérémonielle, c'est une loi morale, la loi par rapport à la famille, elle est toujours en vigueur. Kein Zeremoniegesetz, sondern es ist ein moralisches Gesetz, das von Gott kommt. Ça veut dire quoi? Was bedeutet es? L'homme prend une femme. Der Mann nimmt sich eine Frau. Il couche avec. Er schläft mit ihr. Alors qu'elle était vierge. Und sie war Jungfrau. La femme a, parce qu'à l'époque, on utilisait un drap blanc sur lequel on recueillait le sang de la femme vierge. Weil damals nahm man nämlich ein weißes Leintuch und fing das Blut auf, das von der Jungfrau. Et la femme était vierge. Und diese Frau war Jungfrau. L'homme savait aussi que la femme était vierge.
Und der Mann wusste auch, diese Frau ist Jungfrau. Mais il ne la trouve pas à son goût. Aber sie gefällt ihm nicht so, wie er möchte. Alors il va mentir en disant, und dann lügt er und sagt, elle est pas vierge. Sie war nicht Jungfrau. Et les femmes donnaient le signe de leur virginité, le drap blanc, à leur père. Und die Frau gab das Zeichen ihrer Jungfrauschaft ihrem Vater. Parce que c'est l'homme qui marie sa fille. Denn der Mann verheiratet seine Tochter. Et l'homme va prendre ce drap. Und dieser Mann, der il, Vater, il va le montrer aux anciens de la ville. Der Vater nimmt dieses Leintuch und zeigt sie den Et les anciens de la ville vont châtier cet homme. Werden diesen Mann bestrafen. Regardez, on l'appelle le mari déjà, le mari. Man nennt ihn den Ehemann. Ils vont châtier le mari. Sie werden den Ehemann züchtigen. Alors qu'il n'y a pas eu de noces. Und es gab aber gar keine Hochzeit. Pas de fête. Keine Fête. Mais parce qu'il avait couché avec cette femme qui était vierge, aber il était devenu de ce fait son mari. Aber er hat schon mit dieser Frau geschlafen und ohne Hochzeitsfeier war er schon ihr Ehemann. Et il fallait une amende également, beaucoup d'argent. Da musste eine Geldbuße auferlegt werden. Et il devait prendre chez lui cette femme. Und er musste diese Frau zu sich nehmen. Donc vous comprenez? Versteht ihr? Vous ne pouvez pas vous amuser avec le sexe. Ihr könnt euch, ihr ah, könnt non. mit dem Sex nicht spielen. C'est pas un jeu. Das ist kein Spiel. Mais si la femme n'était pas vierge, wenn aber die Frau nicht, la suite nous dit, in Folge sehen wir, elle était die Frau keine lapidée. Jungfrau war. On va pas tuer les gens aujourd'hui, mais elle était lapidée. Wurde sie gesteinigt. Heutzutage nicht mehr. Et l'homme pouvait prendre une autre femme. Und der Mann konnte eine andere Frau nehmen. C'est terrible, hein? Das ist schlimm. Et nous, on vient comme ça, on trouve une jeune femme belle, vierge, ça va coucher avec. Ça lui fait faire des enfants. Wir nehmen Frauen und Männer einfach so. On prend une deuxième femme. Kinder, eine zweite Frau, on lui fait faire des enfants. Machen mit ihr Kinder. Et on quitte la famille, on fait n'importe quoi. Und verlassen non, die Familie, tun irgendwas. C'est quoi cette affaire là? On voit même des pasteurs mariés. Wir sehen verheiratete Pastoren. Attends, chrétien. Vous avez connu un pasteur marié avec sa femme. Et vous le découvrez quelque temps avec une autre femme. Mais, ihr habt einen verheirateten Pastor mit seiner Frau gesehen. Et vous restez là-dedans pour prier? Und tu as raison, ma soeur. Il faut sortir. Seht ihn mit einer anderen Frau, da musst du gehen. Dort darfst du nicht bleiben. On voit des chrétiennes qui ont deux, trois copains. Christen, die zwei oder drei Freunde oder Freundinnen haben. Mais là, on va pas te demander d'aller chercher toutes les vierges là pour non, ou la première. Keiner sagt zu dir, du musst le temps de l'ignorance. Deine erste Freundin suchen oder d'accord? alle. Alle Jungfrauen, die du entjungfert hast. Mais sinon, das war zu Zeichen deiner heureusement qu'il y a la grâce, que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance, parce que sinon nous sommes tous ici mal barrés. Hein. Unkenntnis. Ah oui. Aber jetzt hast du Kenntnis. Gott sei Dank gibt es die Gnade Gottes. Alléluia. Weil sonst à part les vierges, bien sûr. Sehr schlecht dran. Oui, ma soeur. Attends, on va lui donner le micro. Meine Schwester, wir geben dir das Mikro. Et si c'est la femme qui abandonne le foyer, partant avec les enfants pour un autre homme, dans ce cas, qu'est-ce que l'homme doit faire? Il doit rester célibataire ou alors, je ne sais pas, vous pouvez nous expliquer? Wenn, als die Frau, wenn die Frau geht mit den Kindern und den Mann verlässt, was soll also der Mann tun? Ce que j'ai appris, was ich gelernt mes habe, amis, d'abord dans un foyer, un homme, qui, si tu rencontres un homme, zunächst ou une in femme, einem in einer Ehe, wenn du den Mann marié. Triffst. Qui a été marié. Famille, mairie. Païen ou pas, marié, famille, mairie. S'il y a eu séparation, si on apprend ça, il faut, pour accorder du crédit à l'homme ou à la femme, il faut écouter les deux. Man muss immer beide Seiten qu'ils aient été païens ou pas, il faut écouter sa première femme ou son premier mari.
Egal ob es Heiden waren oder Christen, man muss immer beide Seiten anhören. Si elle dit catégoriquement qu'elle ne veut plus, c'est-à-dire qu'elle aime un autre homme, wenn diese c'est Frau pas parce qu'elle a fait des enfants avec cet homme qu'elle est obligée de vivre avec l'homme, et par conséquent, elle aimerait vivre avec, bien entendu, son amour, quoi. Wenn et diese Frau kategorisch sagt, sie liebt diesen Mann nicht mehr und möchte mit ihrer Liebe leben, okay. Donner la décision. Ok. Et ils étaient, comment dire, donc la femme a eu combien d'enfants avec l'homme? Wie viele? Pardon? Ils ont eu combien d'enfants tous les deux? Un seul enfant. Un seul enfant. Wie viele Kinder haben diese gehabt? Est-ce que l'homme était marié avant ou pas? War der Mann früher verheiratet? Il était marié, mais il avait déjà rencontré la famille. C'est-à-dire avant de rencontrer cette femme, est-ce qu'il était déjà marié avant? Non. War dieser Mann vor dieser Frau verheiratet? Okay. Est-ce qu'ils sont mariés maintenant? Est-ce qu'ils sont mariés à la mairie, à la famille, tout ça? Ils ont... À la famille, oui, mais pas à la mairie. Ok. Donc, ils ont un enfant tous les deux. Oui. Et pourquoi la femme veut partir? Parce qu'elle a rencontré un autre homme qu'elle suppose aimer et prétend n'avoir pas assez aimé le père de l'enfant pendant tout le temps passé. Si l'homme n'était pas marié avant, ou même païen ou avant, avec une famille constituée, mais... et que c'est vraiment sa première femme, tout ça... Ils ont un enfant, donc la famille est au courant. S'ils ne sont pas mariés au niveau de la mairie, eh ben, il faudrait maintenant parler avec les deux pour savoir réellement ce qui s'est passé. Man muss mit beiden sprechen, um zu wissen, oui, was passiert ist genau puisqu'on zwischen a fait beiden. Asseoir la femme et du moins les parents se sont assis, on a essayé de comprendre. Die Eltern haben elle sich a schon dit mit der Frau clairement qu'elle ne veut plus et qu'on ne peut pas la forcer. Und mais la raison, wissen, c'est quoi? Was passiert ist? Elle ne donne pas de raison. L'homme n'a pas été en défaut. Non, mais qu'elle ne parvient pas à aimer le père de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais aimé. Elle s'est rendue compte que c'est pas l'homme qu'elle aime. Et elle a toujours aimé l'amant qui devient le nouveau mari, en quelque sorte. Donc pendant qu'elle est avec son mari, cet homme, elle le trompe avec cet autre monsieur. Oui, en quelque sorte. Donc, cette femme-là n'est pas sérieuse. Diese Frau ist nicht ernst zu nehmen. Non seulement que l'homme n'a jamais été marié. Denn l'homme n'a pas d'enfant ailleurs. Ihr Mann hatte keine anderen Kinder. L'homme ne l'a pas trompé. Ihr Mann hat sie nicht l'homme n'a pas betrogen. Quitté le foyer. Non, pas du er hat nicht, l'homme a toujours été présent. Oui. Er war donc, immer da. Responsable. Oui. Er war immer verantwortlich. Elle est dans l'adultère. Dann ist sie im Ehebruch. Elle est dans l'adultère. Et qu'est-ce qu'il en est de l'homme en ce moment? Doit-il rester attendre qu'elle se décide de revenir? Eh bien, l'homme, faut qu'il prie. Was muss der Mann tun? Qu'il reste en prière. Il est chrétien. Oui, il est chrétien. Ist er Christ? Qu'il reste en prière. Er muss im Gebet bleiben. Qu'il ne se mette pas avec quelqu'un d'autre. Und soll nicht mit jemand anderen gehen. Et selon la Bible, denn der Bibel la femme est adultère. Ist diese Frau ehebrecherin. Parce qu'il y a eu rapport sexuel, l'homme n'a pas été irresponsable, l'homme n'a pas quitté son foyer, l'homme était présent. Der Mann war verantwortlich, donc, er war immer da, er hat nicht seine Ehe verlassen. Qu'il reste en prière, parce que devant Dieu, ils étaient mariés. Qu'il reste en prière, et Dieu pourra sauver der son Mann couple. Der Mann muss also im Gebet voilà. bleiben. C'est-à-dire, quand c'est la femme, c'est l'homme qui est parti. Ben, c'est pareil, si la femme a été responsable, egal, si la femme était egal, fidèle. Ob der Mann oder die Frau die Ehe verlassen. Wenn der andere Partner sans enfant, treu mais devant war, Dieu. Il y avait, ohne Kind si elle n'était pas mariée avant. Non. Elle reste en prière, puis elle attend la volonté du Seigneur. Muss der andere Partner im Gebet bleiben? Il y a eu le divorce. Oui, avec déjà une procédure de divorce, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Eh ben, est-ce que l'homme, la femme est chrétienne ou pas? Oui. Et l'homme? Est-ce que la femme est chrétienne? L'homme, non. L'homme n'est pas chrétien. Mm-mm. Paul dit si le non-croyant se sépare, se sépare, mais il n'a pas dit que la femme, maintenant, qui est restée, qui est chrétienne, doit se remarier. In der Bibel steht, der Heide kann sich trennen, aber es steht nicht drinnen, dass der Christ neu sich verheiraten darf. L'homme qui est converti, qui a décidé de quitter sa femme. Et, hein, Paul nous dit que si le non-croyant se sépare, dans 1 Corinthiens 11, qu'il se sépare. Mais il n'a pas dit que, maintenant, il dit que la femme n'est pas liée, c'est vrai. Im Korintherbrief steht, on peut sous-entendre qu'elle peut se remarier, mais moi je ne veux pas rajouter. Hein, ce qui n'est pas écrit. Aber es donc, steht nicht geschrieben, dass après. Diese Frau neu donc, heiraten la femme doit darf. Prier pour savoir ce que Dieu va lui dire. Diese Frau muss voilà. beten, elle peut prier und pour sehen, que le mari revienne. Bien sûr. Was et Gott qu'il arrête la procédure du divorce. Bien sûr. Possible. Bien sûr. Und sie kann auch beten, dass der Mann zurückkommt. Bien sûr. Ben, justement, elle est chrétienne, le mari n'est pas chrétien. Sie also ist Christin und der Mann ist kein Christ. Comment? La femme chrétienne qui est chrétienne engagée
qui est mariée et elle ne peut pas demander le divorce. Und die Christin, die sich scheiden lassen möchte, non, elle doit pas demander le divorce. Darf sich nicht scheiden lassen. Si, parce... à moins qu'il y ait comment dire, brutalité physique, okay. Que l'homme, la femme soit, l'homme soit méchant, wenn, on peut lever la main sur la femme. Wenn der Mann so böse ist, dass die Frau züchtig körperlich oder schlägt. Là, ce n'est pas le divorce qu'il faut demander, la séparation, oui. Dann darfst auch du dich nicht, dann darfst du dich auch nicht scheiden lassen, sondern kannst dich für eine Zeit trennen. Si elle divorce, elle est chrétienne, elle se remarie ou bien elle prend des autres hommes. Donc si une femme chrétienne a divorcé, elle doit rester célibataire à vie. Mm-hmm. Okay. Voilà. Et dans ce cas, comment conseiller cette femme ou bien... C'est pourquoi nous disons ceci, avant de vous marier désormais, d'après ce qu'on comprend aujourd'hui, mm-hmm. avant de s'engager dans le mariage, il faut bien réfléchir. C'est vraiment important. Je dis ceci, une femme qui a perdu sa virginité ou un homme dans le monde physiquement, s'il se convertit réellement en Christ sur le plan spirituel, la femme ou l'homme redeviennent vierge sur le plan sanctification, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, avant de s'engager dans le mariage, ah, il faut réfléchir. Même si on est païen, c'est l'enseignement qui concerne tout le monde. Il faut réfléchir. Parce que si vous avez des rapports avec une femme qui n'a pas... qui est vierge, donc elle devient votre femme déjà, automatiquement. Et si dans sa famille il y a des choses bizarres, si elle n'est pas bien, si elle est sorcière, ben parce que vous devenez un, vous devenez de ce fait sorcier. Parce que vous recevez la semence de la sorcellerie. Donc, sorcellerie inconsciente, bien sûr, mais ça finira par devenir consciente. Voyez ? Donc, c'est pour cela qu'avant de s'engager, il faut vraiment veiller. Et avant d'avoir des rapports intimes, il faut réfléchir, il faut faire attention. Parce que c'est comme ça qu'on transmet le péché, les démons, tout ça. C'est une semence, hein. La vie, la semence, c'est la vie. Il faut bien réfléchir. Bibliquement parlant, selon la Bible, le mariage, pour la bonne compréhension de tout le monde, selon la parole de Dieu. Le mariage, Wort Gottes, le mariage, c'est quand il y a rapport sexuel. Ist die Ehe dann geschlossen, wenn man sexuellen Kontakt hat? D'accord. Ça, c'est selon la Bible. Der Bibel zufolge. C'est pour cela chez les Hébreux, quand on couchait avec une femme, si elle était vierge, on ne pouvait pas la laisser. Parce que plus personne n'allait l'épouser. Niemand würde diese Frau wieder heiraten bei den Hebräern, wenn sie entlassen war. Donc on comprend bien que chez les Hébreux, les rapports sexuels comme ça, mes amis, on ne couchait pas avant. Bei den Hébräern war es also so, dass man nicht mit dem anderen schlief. In der Zwischenzeit. Même chez les musulmans, parce qu'ils sont orientaux, il n'y a pas de rapport sexuel comme ça avant le mariage, avant les choses officielles. Und bei den Moslems ist es auch so, weil sie waren Araber vom Orient, da war es genauso. Nous, chrétiens issus des nations, nous ne connaissons pas ces principes-là. Il y a beaucoup de désordre. Wir Christen aus den Nationen sind anders. Wir beaucoup haben désordre. Viel Unordnung. On voit des jeunes filles chez nous, à 12 ans, elles connaissent déjà le sexe. Junge Mädchen bei uns mit 12 Jahren kennen sie schon sexuelle Handlungen. On voit dans nos assemblées, on parle pas de ces choses. Und in unseren Gemeinden spricht man davon nicht. C'est pour cela que nos églises, pour moi, sont devenues des lieux de rencontre des démons. Und deswegen sind unsere Gemeinden Treffpunkte der Dämonen geworden. Der Hexer. Maintenant, une fois qu'on est marié. Und einmal, wenn man verheiratet ist. Et on est dans un pays organisé. Au niveau du sexe, il y a eu contact. Au niveau de la famille, les deux familles étaient réunies, tout ça. Wir sind in einem organisierten Land. Et ensuite, au niveau de la mairie, on a tout fait. Und im Standesamt wurde die Ehe vollzogen. Comme à ce qui me concerne, ben, je ne peux pas divorcer. Was mich betrifft, kann ich mich nicht scheiden lassen. Ah non. Nein, das geht nicht. Même si déjà il y aura pas de même s'il y a eu le là il y a pas de divorce, le pardon, tu dois pardonner. Du musst immer vergeben. Le Seigneur a dit celui qui épouse qui laisse sa femme pour prendre une autre commet quoi? Der Herr hat gesagt, wer seine sauf Frau pour, verlässt, um eine andere pour, zu nehmen, sauf pour infidélité. Attendez, j'arrive. Or le mot infidélité ici c'est pornoia. Außer im bei Untreue. Pornoia, qui signifie le sexe, Untreue c'est l'adultère. Pornoia, okay, das donc, bedeutet sexe oder... Beaucoup ont dit, vous voyez, Jésus même dit qu'on peut divorcer s'il y a eu adultère.
Jesus sagt, meine manche, man kann sich scheiden lassen, wenn es Untreue gibt. Pierre pose la question au Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Aber Petrus sagt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Il a dit une fois. Einmal. Est-ce que ton mari est ton frère? Ist dein Mann dein Bruder? Ton mari n'est pas ton frère. Dein Mann Vous n'avez pas le même Bruder? Père? Habt ihr nicht denselben Vater? Aha. Nos femmes sont nos sœurs, vos maris sont vos frères. Vrai ou faux? Unsere Brüder sind unsere Männer. Si ton frère a péché, il faut lui pardonner combien de fois? Wie oft musst du ihn vergeben? Aha. 70 mal 7. 390 fois. 490 mal. Par jour. Pro Tag. Est-ce que ton mari t'a trompé avec 390 femmes par jour? Non. Hat dein Nachbar dich mit 490 Frauen? Alléluia! Dieu est contre le divorce. Gott ist gegen Scheidung. Il faut pas prendre des versets bibliques les sortir de leur contexte. Ihr sollt nicht Bibelverse nehmen und aus ihrem Kontext herausnehmen. Tu es marié jusqu'à la mort. Du bist bis zum Tod verheiratet. Alléluia! Marié jusqu'à la mort. Marié jusqu'à la tombe. Marié jusqu'à la tombe. Tu seras marié à la tombe. Marié, marié jusqu'à la tombe. Marié jusqu'à la tombe. Marié jusqu'à la tombe. Je serai marié jusqu'à la tombe. Ich bin verheiratet bis zum Grab. Oui, ma sœur là-bas. Meine Schwester. Ma question a deux volets. C'est déjà par rapport à ceux qui, avant de se marier, comme vous l'avez dit, ont eu plusieurs copines ou plusieurs copains. Mais est-ce que ça veut dire que il doit maintenant laisser leur mari ou leur femme pour aller repartir avec la première. Et ensuite, wenn jemand öfter verheiratet ist und auch Kinder hat mit den Ehefrauen, soll er diejenige, mit der er jetzt verheiratet ist, verlassen und zur ersten zurückkehren? Parce que si on dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, ça veut dire aussi que ceux qui se sont mariés en étant païens, ils étaient aussi dans l'ignorance. Donc, à mon avis, si on applique la parole de Dieu, on devrait l'appliquer dans les deux cas. Ok, très bonne intervention. Wenn man also als Heide verheiratet war, dann nimmt meiner Meinung nach Gott nicht Rücksicht auf die Zeit der Heidenschaft, sondern wenn man dann sich bewusst ist und als Christ heiratet. Et, le mariage devant Dieu, c'est quand c'est rapport sexuel. On a compris ça. Die Ehe vor Gott ist, wenn sexueller Kontakt da war. Et particulièrement lorsque la femme perd son sang. Besonders wenn diese Frau ihr Blut verliert. On l'a lu dans Deutéronome 22. Im 5. Mose 22 haben wir das gesehen. Ok. Maintenant, il y a des cas aussi donc où il y a eu rapport sexuel. Und in Ensuite, manchen Fällen gibt es y a eu sexuellen officialisation Kontakt. À la famille et à la mairie. Étant toujours païen. Und man macht es dann offiziell vor dem Standesamt und der Familie, auch wenn man noch Heide ist. Et Paul dit dans Acte 22, und Paulus fin sagt Luc, in Lukas 22, les Écritures, que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Gott berücksichtigt nicht die Zeit der Unkenntnis. Dans les deux cas. C'est-à-dire à la fois pour ceux qui ont couché avec des vierges. Es gibt also zwei Fälle. Et ceux qui sont mariés à la mairie et à la famille. Diejenigen, die mit Jungfrauen geschlafen haben und diejenigen, et qui viendraient à se séparer d'avec ces personnes étant, parce qu'ils étaient païens. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Gott Mais, nimmt nicht Rücksicht auf die Zeit der Unkenntnis. On a constaté quelque chose. Aber, quand on vérifie bien. Wir haben etwas gemerkt, und zwar, wenn man gut forscht. Quand on vérifie bien chez les personnes qui se disaient païennes. Wenn man gut forscht und diese Leute, die sich Heiden nennen, on a compris que elles n'étaient pas si païennes que ça. Verstehen wir, dass sie nicht wirklich so Parce que heidnisch même waren. Le mot païen Denn Heide signifie littéralement
bedeutet wörtlich celui qui adore plusieurs dieux. Derjenige, der mehrere Götter anbetet. Or, aber, si tu vérifies bien, ma sœur, wenn du gut dans nos pays, wenn du gut, d'origine, on forscht, prend l'exemple de l'Allemagne, beispielsweise in Deutschland, je dirais tous les Allemands, presque, alle Deutschen savent que Dieu existe. Wissen, dass es Gott gibt. Pourquoi? Aber, parce qu'ils ont connu le réveil, la réforme avec Luther, Martin denn Luther. Sie haben die Reformation mit Luther erlebt. Ils savent que tuer, c'est pas bon. Und wissen, dass man nicht töten darf. Et beaucoup d'Africains également, je prends l'exemple de, tu es de quel pays? Und viele Afrikaner. Cameroun. Et au Cameroun, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a des tribus où les gens adorent plusieurs divinités, comme au Congo. In Kamerun gibt es beispielsweise wie in Kongo Stämme, die mehrere Götter cas, anbeten, aber meistens nous savons quand même, nous, chrétiens d'origine africaine, nous savons quand même que Dieu existe, wissen wir, dass es Gott que gibt, tuer c'est pas bon, und töten nicht gut même ist. Dans notre esprit, nous savons que celui qui est marié, qui trompe sa femme, c'est pas quelque chose de correct. Und in unserem Geist wissen wir auch, dass jemand, der verheiratet ist und seine donc, Frau betrügt, quelque part, au fond nicht de richtig nous, handelt. On sait quand même que tromper sa femme ou son mari, bien qu'étant païen, c'est pas quelque chose de correct. Und selbst als Heide weiß man, seine Frau betrügen ist nicht richtig. Et ces gens-là, pour moi, même s'ils se disaient païens, und für mich sind diese Menschen, auch wenn sie sich ils Heiden pas nennen, si païens que ça. Nicht so heidnisch. Maintenant, il y a aussi des cas où des gens n'ont jamais entendu parler de Dieu. À l'époque de Paul, il y avait ce cas-là. Es gibt aber auch Leute, die noch nie parce que Gott l'évangile n'avait pas encore atteint haben, le monde comme c'est le cas aujourd'hui. Da, wo das Evangelium noch nie hingekommen il y avait ist. Des populations qui n'avaient jamais entendu parler même du Saint-Esprit, c'est écrit. Es gibt Bevölkerungen, in denen man noch nie gehört hatte zu Zeiten Paulus, dass es den Heiligen Geist gibt. Des endroits où la polygamie était connue, quelque chose de validé, même jusqu'à ce jour, des coins où c'est es gibt Orte, an denen Polygamie als etwas Wertvolles oder Normales aujourd'hui angesehen tu wird. Aujourd'hui, tu prends un Congolais aujourd'hui. Beispielsweise in Kongo. De Kinshasa. Von Kinshasa. La polygamie, presque tous les Congolais de Kinshasa savent que c'est pas quelque chose de bon. Meistens, also alle Kongolesen aus Kinshasa können wissen, d'accord? Dass Polygamie nicht gut ist. Tu vas à Brazzaville, la polygamie est dans leur constitution. Und in Brazzaville hingegen tu peux épouser plusieurs femmes. Ist die Polygamie in der Konstitution, mais chez les in Congolais der Verfassung de Kinshasa, gefestigt. Tout le monde sait que c'est pas bon la polygamie. In Kinshasa jedoch. Tout le monde sait que tromper prendre une deuxième femme, verboten. C'est pas bon. Jeder weiß, dass die Frau des Nächsten nehmen nicht gut ist. Alors, ils vont te dire, oui, mais j'étais quand même païen, donc c'est... Non, und sie werden frère, dir tu sagen, connaissais aber quand ich même war Heide, ich war Heide. Das ist nur eine Ausrede. Tu avais quand même la connaissance. Du hattest trotzdem eine Kenntnis. Donc, ils ne sont pas si païens que ça. C'est pour ça qu'il faut traiter les choses so cas par cas. So heidnisch sind die also nicht. Dans le cas où les gens ne connaissaient vraiment rien, oui, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. In dem Fall, wo jemand wirklich gar nichts weiß und gar nichts kennt, ja, da ist ignorant, aber ansonsten nicht. Je sais pas au Cameroun s'il y a la polygamie. Ich weiß oui. Nicht, ob es in Kamerun Polygamie donc, gibt. Oui, officiellement, oui. Dans ce cas-là, il y a l'ignorance par rapport à la monogamie. In diesem Fall gibt es bezüglich der Monogamie et là, on peut dire, Unkenntnis. Au Camerounais qui était marié, divorcé, étant dans le monde, on peut dire oui, vous n'avez pas cette connaissance-là. Mais les Congolais aujourd'hui et beaucoup d'autres pays connaissent, ont cette connaissance-là. Même ceux qui se disent païens, ils ont tous cette connaissance. Aber viele Leute, die auch Heiden sind oder nicht wirklich an Gott glauben, haben doch diese Kenntnis. Mais est-ce que l'homme qui est marié maintenant, est-ce qu'il doit chercher la première femme qu'il a déviergée pour l'épouser? Aujourd'hui. Der Mann oui. Also muss der seine erste Frau, die er entjungfert hat, s'il n'a pas cette connaissance-là que tu as eu aujourd'hui, non. Wenn er nicht diese Kenntnis hat, die du heute hast, dann mais nein. Ceux qui ont cette connaissance. Aber alle diejenigen, die diese Kenntnis haben. Et qui font cela malgré la connaissance, ah ben c'est sûr. Tu déverges une femme aujourd'hui avec la connaissance de Dieu, tu dois l'épouser. Und wenn du heute mit der Kenntnis Gottes eine Frau entjungferst, dann musst du das machen. Hmm? Il y a aussi une question, enfin, il y a des points où j'aimerais bien avoir aussi une réponse. C'est le cas du mariage blanc, le cas du mariage forcé, et par exemple les cas où les gens se sont mariés, je prends par exemple à l'église catholique, et puis après on a dit, bon, il n'y a pas eu mariage, puisqu'à l'église catholique, normalement, on ne divorce pas. Donc, si on veut, je veux prendre une décision, on dira, il n'y a pas eu mariage, c'est un non-lieu en fait. Mariage alors, forcé.
pardon de te couper, mariage forcé. Also beispielsweise wenn es um gezwungene Ehe geht. Le mariage forcé ne pas reconnu par le Seigneur. Gezwungene Ehe wird vom Herrn nicht anerkannt. Parce que tout ce qui n'est pas fait avec conviction, avec foi, est un péché. Denn alles was nicht mit Überzeugung gemacht wird, là, nous sommes d'accord. Mais le mariage blanc, c'est un mariage. Ah, c'est un mariage blanc ou gris ou noir ou bleu, c'est un mariage. Ta volonté est engagée. Voilà. Le fondement n'est pas bon, mais c'est un mariage. Ah ben c'est un mariage, parce que tu t'es engagé. Non, on ne se marie pas à l'église, ce n'est pas biblique. Une Ehe auf Papier ou Täuschungsehe. Les pasteurs n'ont pas le droit de bénir les mariages, ce n'est pas leur ministère. Die Pastoren dürfen nicht eine Ehe segnen. Pourquoi? Pourquoi on le fait? Parce qu'on le fait comme parce que beaucoup sont catholiques. Ils se disent évangéliques, mais en fait c'est comme les catholiques, c'est pareil, la même chose. Viele sind evangelikal, aber in Wirklichkeit sind sie katholisch. Même dans les églises dites de réveil, les pasteurs bénissent le mariage, c'est n'importe quoi. Erweckungsgemeinden. On croyait cela en cela hier, mais on a arrêté. Ehen, aber das ist falsch. Donc mariage forcé, ok, on est d'accord, là-dessus il n'y a pas de problème. Mariage blanc, si tu as épousé une femme pour les papiers, ben, tu dois rester avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Beaucoup d'Africains prennent des Européennes. Eine Täuschungsehe auf Papier. Dès qu'ils ont les papiers, hop. Du musst diese Frau bis zum Ende behalten. Et on voit ça au Cameroun, j'étais au Cameroun, il y a beaucoup de cybercafés. Comme au Congo, des jeunes femmes cherchent des Européens âgés pour venir en Europe. Dès qu'elles ont les papiers, und sobald diese Leute Papiere jusqu'à haben, la fin, il faut rester avec l'homme. Gehen sie oder trennen sie sich. Du musst bis zum Ende bleiben. Il ne faut pas profiter des gens. Du sollst nicht Leute ausnutzen. D'accord? Une autre question? C'était juste le dernier volet. Un mariage déclaré non lieu, que ce soit un mariage catholique, un mariage protestant. Qui peut déclarer un mariage non lieu? Si c'est fait selon la parole. Non. Si c'est un mariage forcé, on peut dire que c'est un mariage non lieu. Mais sinon, non. Beispielsweise, qu'est-ce que c'est un mariage non lieu? Hein? Qu'est-ce que c'est? Un homme qui vient qui déclare son mariage n'a pas lieu d'être. Annulé, hein? Mariage annulé. Achso. Une annulierte Ehe gibt's vor Gott nicht. Qui se rend compte que nous avons beaucoup de problèmes? Wer merkt, dass wir viele Probleme haben? Est-ce qu'on peut être maudit si on n'est pas marié à l'église? Non. Le mariage, on l'a vu. Adam s'est marié dans quelle église? Adam und Eva waren auch nicht in der Kirche verheiratet. Et Ève. C'est d'abord devant Dieu. Or, sie devant waren Dieu, vor Gott verheiratet. C'est quand vous avez les premiers rapports là. Donc, comprenez hein, le message. Vor Gott heißt, wenn, quand il y a les premiers rapports. Wenn ihr den ersten selon Dieu. Kontakt habt, c'est ça le mariage. Dann ist das für Gott die Ehe. C'est quand tu prends la virginité d'une femme, mais elle te donne son sang, mais elle devient ta femme. Wenn du die Jungfernschaft einer Frau wegnimmst, gibt sie dir ihr Leben mit ihrem Blut. Mais non. Si tu étais vraiment ignorant. Wenn dich also überhaupt nicht auskanntest. Okay. Okay. Vous les femmes, vous savez ce message-là vous donne encore plus de valeur. Hein? Seht ihr, diese Botschaft gibt euch noch mehr Ehre. C'est-à-dire, vous devez garder votre corps pour l'homme avec qui vous allez rester toute votre vie. Ihr müsst euren Körper bewahren für den Mann, mit dem ihr euer Leben verbringt. Alléluia. Et celles qui sont vierges en esprit, acclament aussi le Seigneur. Und diejenigen, die noch Jungfrau im Geist sind, Alléluia. Für den Herrn. Ça vous honore. Das maintenant, nous les hommes, und ihr Männer, ça nous met la pression. Ça nous honore aussi. Ihr geratet unter Druck. Parce ihr werdet auch geehrt. On sait que celle-là, là, c'est la bonne. Parce qu'il n'y a pas Jean-Pierre qui est passé par là. Il n'y a pas José, il n'y a pas quoi. C'est... Amen. Voilà. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le message que les églises doivent prêcher pour préparer la génération nouvelle à posséder, mes amis, leur héritage. Vous comprenez?
Voilà. Une femme n'est pas une poubelle. Eine Frau ist kein Abfalleimer. Où tout le monde vient déposer sa semence. Wo jeder kommt und seine Saat non. reinwirft. Vous prenez une femme, vous lui faites des enfants. Ihr elle a trois enfants. Frau und sie hat et vous la laissez. Kinder, und du lässt sie einfach stehen. Und du sagst, sie hat mich betrogen. Ich weiß, warum Gott mir keine Mädchen gegeben hat. Tu prends pas ma fille, tu veux faire des enfants et dis non, on n'était pas chrétien. Attends, mon coco, là, c'est quoi cette affaire là? Du kannst nicht meine Tochter nehmen, mit ihr Kinder machen und dann sagen, Alléluia! Ich habe mich betrogen. J'ai trois fils. Les femmes qu'ils vont épouser, elles doivent d'abord être enseignées par moi. Je dois d'abord les voir, je dois les enseigner moi-même. Alléluia! Ich habe drei Söhne. Die Frauen, die sie heiraten möchten, müssen erst zu mir kommen, um gelehrt zu werden. La première question que je veux leur poser. Die erste Frage, die ich stellen Est-ce que möchte. Vous êtes en Christ? Seid ihr in Christus? La deuxième. Zweite Frage. Je dirai à mes fils, demandez-leur si elles sont vierges. Und die zweite werde ich zu meinen Söhnen sagen, frag sie, ob sie Jungfrau ist. Alléluia! Parce que je veux pas que mes enfants aient des problèmes. Weil ich möchte nicht, dass meine Kinder Probleme bekommen. Elles diront, que Dieu nous parle. Sie werden sagen, Alléluia! Und Gott wird sprechen. Nous parents, nous avons une responsabilité. Unsere Eltern haben uns Qui veut bâtir un foyer solide? Wer möchte eine solide Ehe schließen? Je dirais à mes fils, et je le dis déjà, ich sage meinen Söhnen, vous ne devez jamais lever la main sur une femme. Ihr dürft niemals eine Frau schlagen. Comme je n'ai jamais levé la main sur les femmes ou sur ma femme. Ich habe niemals meine Frau geschlagen. Vous devez être des hommes responsables amenant l'argent à la maison pour nourrir vos femmes et vos enfants. Ihr müsst verantwortungsvolle Männer sein, die Geld nach Hause bringen, um ihre Frauen zu ernähren und ihre Kinder. Vous devez avoir un seul compte joint que vos femmes vont gérer parce qu'elles ne sont pas dépensières. Ihr müsst ein gemeinsames Konto haben, weil eure Frauen vous devez dire à vos femmes combien Geld vous gagnez. Ihr müsst euren Frauen sagen, wie viel ihr verdient. Ne cachez pas à vos femmes combien vous gagnez. Ihr dürft euren Frauen nicht verheimlichen, parce que wie quand viel on ihr verdient. Devient un, les informations aussi sont partagées totalement. Weil wenn man eins wird, muss man Alléluia! Alle Informationen zusammen Vous haben. Connaîtrez la vérité? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nous sommes dans le message. Wir sind im Wort. Vous devez être des hommes qui savent faire à manger. Et déjà mes fils savent faire à manger. Ihr müsst Männer sein, die kochen können. Le dernier a 10 ans, il sait faire des gâteaux, faire des choses, tout ça là, seul dans la cuisine, il prépare. Er kann alleine in der Küche kochen. Vous devez savoir passer l'aspirateur, passer le balai. Ihr müsst kehren und saugen können. Allez faire des courses, changer la couche de vos enfants, tout ça là. Ihr müsst einkaufen können und ihr müsst die Windeln eurer Kinder wechseln können. Quand la femme est fatiguée, il faut savoir comment l'aider, l'encourager. Wenn die Frau müde ist, dann müsst ihr wissen, wie man sie ermutigt und erhilft. Alléluia! Amen. C'est ton voisin, c'est le message. Das ist die Botschaft. C'est ton voisin. C'est ça le message. Das ist die Botschaft. Oh Dieu d'Israël. Gott Israels. Il y a beaucoup de désordre dans les mariages aujourd'hui. Heutzutage gibt es viel Unordnung in der Parce Ehe. Qu'on fait pas les choses comme au commencement. Weil wir nicht die Dinge tun, wie es zu Anfang geschaffen waren. Vous devez apprendre à offrir des cadeaux à vos femmes. Ihr müsst lernen, euren Frauen Geschenke zu geben. Vous pouvez sortir en restaurant. Ins Restaurant zu gehen. Vous là, vous qui êtes là, est-ce que vous avez déjà dans un restaurant japonais? Jamais. Avec vos femmes. Warte irgendwann schon mal beim Seulement la semoule, semoule. Et regardez le match. Seulement le manioc. Ou je sais pas, les pâtes.
Vous devez être délivré au nom de Jésus. Jedes Mal nur Gris oder Maniok oder lauter so Zeugs. Ihr müsst befreit werden im Namen Jesus. C'est pourquoi vous devenez gros, mes frères. Parce que vous ne sortez pas. Vous ne bougez pas. So dick, weil ihr euch nicht weiter bewegt. Vous voulez seulement l'onction du frère Shora. L'onction du frère Shora. L'onction du frère Shora. L'onction du frère Shora. Salvung des Bruders Shoras. Ça chauffe. Jetzt wird's heiß. Ça vient. Das kommt. Un homme qui prêche la parole, qui se dit chrétien, qui ne sait même pas faire à manger, quand la femme est fatiguée, t'as pas fait à manger, t'as rien fait. Mais un homme qui est prédicateur et ne peut plus un homme, toi. Wenn seine Frau müde ist, sagt nur, tu deviens. Tu deviens Samson. Ah. Alléluia. La première église, c'est la famille. Die erste Gemeinde ist die Familie. Voilà, je continue encore là. Soll ich weitermachen? Mes sœurs. Meine Schwestern. Vous voulez garder vos hommes, vous ne savez pas faire à manger, vous mettrez trop de sel quand vous faites à manger. Ihr wollt eure Männer behalten und könnt nicht mal kochen und versalzt die Suppe immer. Tout ce que vous savez faire, c'est des pâtes, c'est du riz. Ihr könnt nur Reis oder Fufu machen. Vous donnez à vos maris la nourriture du réchauffé, la nourriture qui date il y a une semaine, deux semaines, tout ça. Ihr gebt euren Männern immer aufgewärmtes Essen, Essen, das schon eine Woche im Kühlschrank steht. Vous allez prendre du surgelé, vous mettez dans le micro-ondes, vous appuyez sur un bouton, tiens, tiens. Ihr taut immer Gefrorenes auf und tut es einfach in die Mikrowelle und das soll euer Mann essen. Vous les mamans. Ihr Mamas. Vous n'avez même plus le temps d'enseigner vos jeunes filles comment préparer. Ihr habt gar keine Zeit mehr, um euren Töchtern zu lernen, wie man kocht. Oh Dieu, sauve nous. Gott, helfe uns. Tu n'as pas épousé ta femme pour qu'elle te fasse, te donne, comment dire, te donne une tribu. Tu l'as épousée, même si elle est stérile là. Tu dois l'aimer, tu dois l'encourager. Même si ton mari est stérile, tu dois l'aimer, tu dois l'encourager. Du hast nicht deine Frau geheiratet, um einen neuen Volksstamm aufzumachen. Selbst wenn sie steril ist oder wenn dein Mann steril ist, sollst du ihn weiter lieben. C'est pas bon quand une femme pleure à cause de toi. Es ist nicht schön, wenn eine Frau wegen dir weinen muss. Si une femme. Wenn eine Frau. Je vais vous révéler un secret. Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Pourquoi beaucoup de frères? Warum viele Männer? N'arrivent pas à percer dans leur service. Nicht durchdringen in ihrem Dienst. Et dans leurs projets. Und in ihren Projekten. Ça tourne en rond. Es dreht sich immer alles im Kreis. Pourquoi? Wisst ihr warum? Je vais parler d'abord aux chrétiens. Ich möchte zu den Christen sprechen. Il y a un principe. Es gibt ein Prinzip. Il est dit dans la Bible. In der Bibel steht, quand un malheureux crie, wenn ein Unglücklicher schreit, Yahweh l'entend. Hört ihn Gott. Or, la femme und die Frau est un vase fragile, Pierre nous dit. Ist ein zerbrechliches Gefäß, sagt Petrus. Dieu accorde plus d'attention aux faibles. Gott hört mehr den Schwachen zu. C'est pourquoi quand Ève a mangé le fruit, als also Eva diese Frucht gegessen alors qu'elle hatte, était la première à le faire, obwohl sie die erste war, die die Sünde begangen, ce n'est pas elle qui a été sanctionnée la première, wurde sie nicht als erstes bestraft, c'est le chef, sondern der Chef. Donc je veux donner des clés. Ich möchte euch also Schlüssel geben. Si vous me voyez percer, wenn ihr seht, dass ich in meinem Dienst Erfolg parce que habe, Dieu m'a dit, dann weil si Gott ta femme sagt, pleure seulement, wenn deine Frau weint, ton onction est bloquée. Ist deine Salbung blockiert? Si ta femme pleure seulement, wenn deine Frau ta progression weint, est bloquée.
ist dein Fortschritt blockiert? C'est un mystère. Das ist ein Geheimnis. C'est pourquoi quand les enfants se sont approchés du Seigneur, Paul, Pierre, les apôtres ne voulaient pas le Seigneur de laisser venir à moi les enfants, les faibles. Deswegen hat der Herr gesagt zu seinen Jungen, lass die Kinder zu mir kommen. L'homme est la tête. Schwachen. Der Mann le chef. Ist der Kopf, der Chef. La femme c'est le corps. Die Frau ist der Leib. Si la tête. Wenn der Kopf ne se comporte pas bien. Sich nicht gut verhält. Si le corps se fatigue, le corps est blessé. Wenn der Leib verletzt ist. Que voulez-vous que l'ordre que la tête va donner soit appliqué? Was möchtet ihr dann, dass die Anordnung Comment die der Kopf que cet ordre gibt, soit appliqué? Ausgeführt wird? Wie soll der Leib die Anordnung Pierre nous ausführen? Dit, Petrus sagt zu uns: Les hommes, faites attention, faites en sorte que vos femmes soient bien pour ne pas que vos prières soient interrompues. C'est écrit. In der Schrift steht, Männer, ihr sollt eure Frauen gut behandeln, damit nicht blockiert wird euer Dienst. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs ne vont pas loin? Wisst ihr, warum viele Pastoren nicht weit gehen? Parce que leur femme à la maison pleure. Weil ihre Frauen zu Hause weinen. Et si ta femme pleure, und wenn deine Frau weint, à cause de toi, wegen dir, les démons les sirènes des eaux sont excitées contre toi. Werden die Meerjungfrauen gegen dich aufsteigen. Mais si la femme est encouragée par toi, aber wenn die Frau von dir elle va ermutigt pour wird, toi, elle va pleurer devant Dieu pour toi, wird sie vor Gott für dich weinen, wird sie fasten für dich, elle va intercéder pour toi, wird sie für dich beten, la sirène des eaux va s'éloigner à chaque fois. Und die Meerjungfrau wird la femme va être entre toi et l'esprit de séduction, la sirène des eaux. Und die Frau wird immer zwischen dir und dem Geist Mais der si elle est blessée, stehen. Aber wenn sie verletzt si elle pleure à cause de toi, à cause de moi, wenn sie wegen dir, wegen mir weint, tes prières sont interrompues déjà. Werden schon deine Gebete abgeblockt? Parce qu'en tant que chef, tu n'as pas rempli ton rôle. Weil als Chef hast du deine Rolle nicht erfüllt. Et tu deviens comme déshabillé. Und du wirst wie nackt dastehen. Et les esprits de sexe vont s'emparer de ton esprit, de tes pensées. Und die vont t'agresser. Die Sexgeister werden kommen und deinen Geist beunruhigen. C'est un mystère. Das ist ein Geheimnis. À chaque fois qu'un prédicateur tombe, jedes Mal, wenn ein Prediger fällt, vérifie bien sa relation avec sa femme. Dann untersuch gut seine Beziehung mit seiner Frau. Vous verrez qu'il y avait des soucis. Ihr werdet merken, dass es immer Sorgen gab. Et parce qu'il y avait des soucis, il n'y avait plus de protection. Und wegen der Sorgen gab es keinen Schutz mehr. Ma sœur, meine Schwester, s'il s'agit de l'homme qui est malheureux qui pleure à cause de sa femme, und wenn der Mann wegen seiner Frau weint, la même chose. Es ist genauso. Un homme, ein Mann, qui pleure à cause du comportement de sa femme, der wegen des Verhaltens seiner Frau weint. Vous savez ce qui va se passer? Wisst ihr, was mit dem passiert? Déjà, la femme s'expose aussi à l'adultère. Die Frau stellt ihm bloß und liefert ihm den Ehebruch aus. Et également l'homme, forcément. Und sich selber. Parce que quand l'homme n'est plus tranquille chez lui, weil wenn der Mann zu Hause sich nicht mehr wohlfühlt, qu'est-ce qui va se passer? Il cherchera à être toujours dehors. Wird er immer versuchen, draußen zu sein. Et si la femme est appelée à servir le Seigneur, und wenn die Frau, quoi qu'elle fasse, egal pas, was die Frau macht, pas. Wird alles, was sie tut, Chrétien, blockiert écoutez sein. Bien. Christen, hört mir gut zu. Un des secrets de la réussite de l'œuvre que Dieu m'a confiée, ein Geheimnis des Erfolgs, das der Herr mir gegeben c'est hat, la famille. Ist die Familie. Parce que le seul endroit où tu peux te sentir à l'aise, à part la présence de Dieu, c'est chez toi. Weil der einzige Ort,
an dem du dich wohlfühlen kannst, außer in der Gegenwart Gottes, ist bei dir, zu Hause. Dehors, nous sommes agressés par les images. Draußen sind wir von, werden wir von Bildern aggressiert. Dehors, nous sommes agressés par les uns les autres. Draußen passieren viele Dinge, die uns beunruhigen. Quand on rentre chez soi, aber wenn man heimkommt, on enlève ses chaussures, n'est-ce pas? Zieht man die Schuhe aus. On enlève ses vêtements pour mettre d'autres vêtements. Und man zieht die Kleidung aus und on legt va ouvrir lockere son frigo, Kleidung on va prendre an. À boire. Geht man zum Kühlschrank, holt man sich was on zu est dans son element. Dann, da ist man bei sich zu Hause in seinem Element. Mais si cet élément est troublé, und wenn dieses Element zerstört oder verunsichert qu'est-ce ist, va se passer à votre avis? Was wird eurer Meinung passieren? On a plus envie de rentrer à la maison. On a plus envie de rentrer à la maison après le travail. Möchte man nach der Arbeit nicht mehr nach Hause kommen. On va faire un tour chez un copain. Und wird man einen Freund besuchen. Et c'est là qu'on commence à faire des rencontres, des mauvaises rencontres. Und dort trifft man schlechte Dinge an. Oder trifft man schlechte Menschen. Moi, quand je rentre à la maison. Wenn ich nach Hause komme. Je suis tranquille. Bin ich ruhig? Je suis heureux. Bin ich glücklich? Je vois les enfants, ils sont heureux. Sehe ich, meine Kinder sind glücklich. Mais si les enfants commencent à constater aussi, s'il y a des enfants, si les enfants constatent que papa et maman ont des problèmes, vous les exposez à la délinquance, vous les exposez à la pornographie, vous les exposez à l'homosexualité, vous les exposez à l'impudicité. Wenn die Kinder aber zu Hause auch merken, dass Probleme gibt zwischen Mama und Papa, dann stellt er sie bloß, und zwar für Homosexualität, für Aggressivität und alle Arten von schlechten Dingen. Vous avez suivi la veillée avant-hier? Vorgestern hatten wir unsere Gebetsnacht. Cette jeune fille de 11 ans. Da war ein Mädchen mit 11 Jahren. Qui commençait à penser comme une grande dame. Die hat angefangen zu denken wie eine große Frau. Et qui disait qu'à l'âge de 15 ans, elle allait faire la guerre sainte, le djihad, hein, le djihad pour tuer son père. Elle comptait aller en Syrie en guerre pour se faire exploser. Und sie wollte mit 15 Jahren einen heiligen Krieg beginnen und ihren Vater töten. Et vous avez vu, Jahren hatte sie schon diese avez-vous vu comment elle était possédée? Sie war sowas von besessen. Les parents ne voyaient même pas, ne se sont même pas rendus compte que leur fille écoutait des musiques sataniques. Und ihre Eltern wussten überhaupt nicht, dass ihre Tochter satanische Musik hörte. Pourquoi? Warum? Elle voyait son père lever la main sur sa mère. Sie sah, dass ihr Vater ihre Mutter schlug. Je veux donner un conseil gratuit. Ich gebe euch einen kostenlosen Ne pensez Rat. Pas que vos enfants ne voient pas ce qui se passe dans vos foyers. Denkt nicht, dass eure Kinder nicht sehen, was bei euch zu Hause geschieht. Parfois les enfants font très semblant et ils emmagasinent. Manchmal tun die Kinder einfach so, wenn sie nichts merken, aber sie stapeln sie in ihrem Herzen. Und durch euer Verhalten macht ihr sie kaputt. Et c'est grave. Und das ist schlimm. Je veux dire ceci. Ich sage das. Même les femmes enceintes. Sogar die schwangeren Frauen. Les enfants dans le ventre sentent si l'atmosphère est propice à la maison ou s'il y a des tensions. Et ils naissent avec le stress et ils peuvent être très, très malheureux. Die Kinder, die in eurem Bauch sind, merken schon, ob es Spannung zu Hause gibt. Und sie können geboren werden und sehr, sehr unglücklich. Un jour, un jeune homme congolais, un jeune garçon, eines Tages kam ein junger Kongolese zu mir. 13 ans. 13 Jahre. Et il était homosexuel. Und er war homosexuell. Pourquoi? Warum? Parce que à la maison, il n'y avait pas l'harmonie. Weil zu Hause gab es keine Harmonie. Et il est devenu homosexuel au collège. Und er ist in der Schule homosexuell geworden. Et il était devenu complètement efféminé, comme une femme. Und er ist wie eine Frau geworden. Parce que les parents sont orgueilleux. Weil die Eltern chacun hochmütig sind. Et dans son est en train de se justifier, mais vous savez, c'est pas moi, mais vous savez, c'est et les jeder enfants voient ça. Jeder rechtfertigt sich und sagt, das bin ich nicht, das bin ich nicht.
Und die Kinder kriegen das mit. On a prié pour sa délivrance. Und wir haben für seine Befreiung gebetet. Et malheureusement, il est reparti encore dedans. Und leider ist er wieder zurückgefallen. J'étais en Allemagne il y a quelques la dernière fois, une femme est venue me voir. Letztes Mal in Deutschland kam eine Frau zu mir. Une femme congolaise avec son enfant de 14 ans qui est homosexuel. Eine Kongolesin mit ihrem Kind, das homosexuell ist. Quand vous vérifiez à chaque fois, und wenn ihr jedes Mal Acht gebt, c'est souvent au sein de foyer. Ist es wirklich zu Hause in den Ehen, que ces choses se développent aussi, parce que wo sich diese Dinge entwickeln. Soit le viol, le rejet, Missbrauch, Zurückweisung, les problèmes familiaux, Familienprobleme, ça donne accès aux démons. Das alles gibt den Dämonen Zugang. Qui veut changer? Wer möchte sich ändern? Un frère a levé la main. On va finir avec ta question, mon frère. Oui. Bruder, wir wollen mit deiner Frage aufhören. Dieu merci, il y a longtemps, je suis là, mais on ne me regarde pas, Margaret, donc tu es avec moi. Amen. Je voulais vous poser une question. Vous avez insisté sur les femmes pucelles, c'est-à-dire les femmes qui ont connu les premiers hommes, vous voyez, et qui ont versé les premiers sangs. Donc vous voulez dire par là que nous, bon, là, bon, je veux des femmes qui sont ici dans cette salle, je crois bien, elles ont connu des hommes d'abord avant de se marier. Donc ça veut dire qu'elles jouent à l'hypocrisie lorsqu'elles sont dans leur foyer. Parce que moi, je suis marié, je ne suis pas le premier homme de ma femme. Donc cette femme qui est avec moi, elle joue à l'hypocrisie parce qu'elle est jalouse. Et si elle est jalouse, qu'est-ce que je dois dire? Et je vais lui dire que bon, voilà, et que tu as connu ton premier homme. Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas. Bon, je vais aller avec une question très simple. La femme qui a connu ton premier homme, vous avez parlé du sang versé. Oui. Cette jeune fille, elle s'est remariée. Elle s'est mariée avec une autre femme parce que ce n'est pas le premier homme forcément qu'elle s'est mariée. Parce que la plongée des femmes qui sont ici dans cette salle, elles ont vu des fréquentations avant de se marier. C'est les hommes qu'elles ont mariés. Est-ce que ce sont des hommes réels, ce sont les maris réels, ou bien elles jouent à l'hypocrisie? Parce qu'on ne peut pas être avec une femme, vous êtes avec votre femme, et puis elle va penser seulement avec son premier homme. Je comprends. Vous voyez ce que ça fait? Je parce comprends. Que, die Frage voilà. war folgende. Parce que j'ai pas encore fini. Donc si c'est comme ça, moi je vais à la maison, je dis à ma femme, tiens ta bague, va-t'en, donne-moi ma bague, parce que justement il t'est marié. Non. Also, die Frage war et prends folgende. Tes enfants, va-t'en, parce que c'est la femme, ceux qui connaissent le père de ses enfants. Ok. Alors vous avez terminé mes esprits, je n'arrive pas encore à comprendre. Mettez-moi à l'aise, afin okay. que je sois... Voilà. Eine Frau schlief mit ihrem ersten Mann, den hat sie aber nicht geheiratet und dann nahm sie einen anderen Mann, den heiratete sie legal. Das bin in diesem Fall ich. Kann ich jetzt zu meiner Frau sagen, gib mir meinen Ehering zurück, weil ich möchte dich nicht mehr, du wirst immer nur an deinen ersten Mann, mit dem du schließt, denken. Vous voyez ce que ça fait? Donc elle joue à l'hypocrisie, elle n'est pas jalouse, donc elle joue à l'hypocrisie. Ok. Voilà. Mon frère. Ouais. Ok. Mein Bruder. Le frère dit. Der Bruder hat gesagt. Ma femme n'est pas, quand on s'est marié, en gros, elle n'était pas vierge. Als ich meine Frau geheiratet habe, war sie nicht, war sie nicht Jungfrau. Elle doit penser à chaque fois au premier homme qu'elle a connu. Und wenn sie quand dann, je suis avec elle, alors je préfère wenn ich mit ihr me séparer d'elle. Sie denkt immer an ihren ersten Mann, dann verlasse ich sie lieber. Le Seigneur a dit, der Herr hat gesagt, pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil et tu ne vois pas la poutre qui est dans l'autre? Warum siehst du den Splitter im Auge deines mon frère, Bruders, aber siehst nicht den Balken vor deinem eigenen Auge? Mon frère, mein Bruder, est-ce que c'est la première femme que tu as connue? Ist sie die erste Frau, die du hattest? Moi, là, il s'agit des jeunes, des femmes, il s'agit pas des hommes. Non, mais l'homme aussi. Attends. Ich dachte, da geht's nur um Frauen, nicht um Männer. Il est question aussi des hommes. Parce que toi aussi, la première femme, tu l'as pas oubliée. Du auch, du hast mais auch si eine erste Frau gehabt. Ah? Et si je l'aimais pas? Eh ben, et si ta femme ne l'aimait pas non plus? Tu hast eine erste Frau gehabt, du wirst auch ce que tu reproches à ta femme, on te le reproche aussi. C'est ça. Voilà. Was donc, du deiner Frau vorwirfst, c'est ta das femme, ne la quitte pas, vor. Garde-la jusqu'à la mort.
Wenn deine Frau Amen. Dich nicht verlässt, dann sollst du sie voilà. Bis zum Ende behalten. Parce que toi, quand tu l'as épousée, tu n'étais pas vierge non plus. Non. Aber, bah voilà. Weil du, als du sie Alléluia. Hast, war, on acclame la parole de Dieu. Frau. En Jésus, tout est réglé. Quand on se convertit, nous devenons une nouvelle créature. Amen. Wenn wir uns bekehren, werden wir eine neue Schöpfung. Maintenant qu'on a la connaissance, que les vierges restent vierges jusqu'au mariage. Voilà le message. Und die D'accord? Jungfrauen sollen Jungfrauen bleiben bis zur Ehe. Que les mariés restent mariés. Die Verheirateten sollen verheiratet bleiben. Que les divorcés restent comme ça jusqu'à la mort. Die Geschiedenen sollen ou jusqu'à la mort de l'un des conjoints. Bis Mais s'il ne meurt pas, il reste il est comme ça. Oder bis zum Tod ihres Ehegatten. Aber wenn er nicht Voilà. Stirbt, dann ne tuez pas vos maris ni vos femmes. Alléluia. Ihr sollt auch eure Männer und Frauen deswegen nicht töten. La sœur là-bas. Amen. Merci pour la parole. Toi, tu vas le tuer? Ah, il faut pas dire ça. Tu as dit que tu allais le tuer. Tu l'aimes beaucoup? Ok. Il faut pas le tuer. Je vous remercie beaucoup pour la parole, pasteur. Moi, ma question est que je peux encore revenir en arrière. C'était à propos du mariage. Vous avez dit que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord pour le mariage coutumier et pour le mariage civil. Et vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord que le pasteur puisse faire la cérémonie de mariage. Et ma question est que qui peut le maintenant dans ces temps-ci? Qui peut faire le mariage, cette cérémonie de mariage? Parce que dans le temps, c'était Dieu qui était c'était lui qui avait fait la cérémonie, organisé la cérémonie de mariage d'Adam et d'Ève. Dans le temps d'Abraham, Abraham pour faire marier sa femme, son fils, il avait envoyé son serviteur pour aller chercher la femme dans sa famille. Et je ne sais pas, parce qu'à ces temps-là aussi, il n'y avait pas d'église. Je peux dire qu'il n'y avait pas aussi d'idée aussi pour que je puisse réaliser ce mariage par un pasteur. Ok, on comprend, pour faire simple. Qui peut organiser, qui peut bénir le mariage aujourd'hui, c'est ça? Die Frage ist, wer kann heutzutage die Ehe segnen? Qui marie les gens aujourd'hui? Wer kann heutzutage die Leute verheiraten? Ok, voilà la question. Est-ce que tu sais que le mariage est déjà une bénédiction? Weißt du, dass die Ehe an sich schon eine Segnung ist? D'accord. Et je ne parle pas de la fête, pas forcément. Je parle quand un homme rencontre une femme, quand une femme rencontre un homme, selon Dieu, c'est une bénédiction. Ich spreche nicht von der Hochzeitsfeier, sondern ich spreche von der Tatsache, dass ein Mann eine Frau trifft und umgekehrt. La femme est une bénédiction pour l'homme et inversement, l'homme est une bénédiction pour la femme. Die Frau ist ein Segen für den Mann und umgekehrt der Mann für die Frau auch. Mais si je suis béni, wenn ich also gesegnet qui bin, peut encore me bénir? Wer kann mich noch segnen? La pluie est-elle une bénédiction? Ist der Regen eine Segnung? Ja. On est d'accord. Est-ce que les païens aussi profitent de la pluie? Haben die Heiden auch Regen? Ok. Alors, est-ce que tu peux bénir la pluie? Kannst du den Regen segnen? Ah? On bénit Dieu pour la pluie. Sondern man, okay. man on remercie lobt Dieu Gott pour la pluie. Für den Regen. Amen. Est-ce que tu peux bénir le soleil? Kannst du die Sonne segnen? C'est des bénédictions. Ok. Donc le mariage c'est pareil. Auch in der Ehe ist es so. C'est pour cela qu'il n'y a aucun pasteur dans la Bible qui a béni le mariage. Deswegen gibt es keinen einzigen Pastor in der Bibel, der die Ehe gesegnet hat. Ça a commencé au 16e siècle avec l'Église catholique. Im 6. Jahrhundert entstand das in der katholischen Kirche. Alors, maintenant, tu me diras, mais oui, mais comment organiser en fait les noces, c'est ça? Wie also soll man die Hochzeitsfeier organisieren? C'est simple. Ganz einfach. Tu es chrétienne? Du bist Christin? Tu es chrétien? Du bist Christ? Un homme, une femme te plaît? Ein Mann oder eine Frau gefällt dir? Pas de rapport sexuel. Erstens mal, tu pries le Seigneur. Keine sexuelle Beziehung. Seigneur, du musst zum Herrn beten.
Seigneur, montre-moi son cœur. Herr, zeig mir ihr Herz. D'accord? Je sens que cette personne me plaît, mais montre-moi son cœur. Ich merke, diese Person gefällt mir. Zeig mir ihr Herz. Et tu vas prier, prends ton temps à la prière. Du betest. Et nimm dir Zeit dafür. Si Dieu te confirme en songe, en vision. Und wenn der Herr dir zeigt durch Visionen, regarde maintenant durch Träume, le comportement de la personne. Dann schau dir mal das Betragen dieser Person an. Est-ce qu'elle porte des fruits de l'esprit? Trägt sie die Früchte des Geistes an sich? C'est important. Das ist nämlich wichtig. Parce qu'on peut pas manger des mauvais fruits. Man kann nämlich schlechte Früchte essen. Et si il a les fruits de l'esprit? Und wenn es Früchte des Geistes ist, toi en tant que femme, ne te précipite pas pour dire Dieu m'a dit c'est toi mon mari. Dann sollst du als Frau nicht hingehen zum Mann und sagen, Gott hat mir gezeigt, dass du mein Mann bist. Dis à Dieu dans ce cas-là que l'homme fasse la première démarche. Sag zum Herrn, der Mann soll den ersten Schritt tun. Si tu veux encore une autre confirmation. Wirst du noch eine, dann wirst du noch eine andere Bestätigung ensuite, haben. Si l'homme fait la démarche, und wenn der Mann also diesen Schritt tut, Dieu, dann Ehre sei Gott. N'allez pas tout de suite sexuellement ensemble. Dann habt nicht gleich Sexualverkehr. Tous les deux, sondern soumettez ce projet au Seigneur. Betet gemeinsam dans la prière. Gebt euer Ehevorhaben Gott. Maintenant que vous êtes ensemble pour former un foyer, wenn ihr zusammen seid und die Ehe geschlossen ist, laissez-vous enseigner par ceux qui sont mariés avant vous et qui ont de l'expérience. Sollt ihr euch von denen leiten und lernen lassen, die vor euch geheiratet haben und schon erfahren haben. Paul dit dans Tite 2 que la femme âgée doit enseigner aux jeunes femmes et leur apprendre comment aimer leur mari. Paulus sagt in Titus 2, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen lernen sollen, wie sie mit ihren Männern umgehen sollen. Alléluia. C'est important. Et ensuite? Und dann? Eh ben, vous pouvez vous côtoyer. Könnt ihr zusammen? Comment voulez-vous vous connaître, comment dire, vous connaître l'autre si vous ne le côtoyez pas? Dann sollt ihr miteinander ausgehen. Sonst kann, cela ne vous empêche pas d'aller, de sortir, de prier ensemble, aller au restaurant. Kennenlernen. Ihr könnt ins Restaurant parlez-en gehen, zusammen beten, à vos parents und mit euren Eltern qui sont à même de mieux vous aider. Diese Eltern können euch am allerbesten weiterhelfen. Et ensuite, dann, si tout est OK, wenn alles okay ist, on est en Allemagne, par exemple, eh ben, beispielsweise hier in Deutschland, faites au niveau de la famille, régler tout ce qui a réglé. Je veux dire, voilà, je demande aux chrétiens de ne pas demander la dot, mais honorer les parents, donc faites en sorte qu'ils soient heureux. Sollt ihr eure Eltern ehren und machen, dass auch die glücklich mit eurer Verbindung sind? À la mairie, c'est gratuit. Am Standesamt ist es kostenlos. Faites les choses simplement au niveau de la mairie. Macht die Dinge ganz einfach fest vor dem Standesbeamten. Ne cherchez pas à faire absolument de grandes fêtes. Und ihr müsst nicht unbedingt eine große Feier veranstalten. Ne vous mettez pas la corde autour du cou. Und sollt euch nicht einen Strick um den Hals faites legen. Faites les choses simplement. Sondern die Dinge einfach ganz einfach machen. Vous voulez inviter des frères et sœurs, y a pas de souci, invitez l'église, y a pas de problème. Wenn ihr Brüder und Schwestern oder die Gemeinde einladen wollt, dann kein Problem. Si vous voulez qu'il y ait une prédication, y a pas de problème, une exhortation, pas de problème. Wenn ihr wollt, dass jemand ein Wort gibt oder vous pouvez le faire vous-même. Kein Problem, ihr könnt es auch selber vous pouvez tun. Prêcher vous-même. Auch ihr selbst könnt predigen. Ah bah oui. Ja. Si vous voulez qu'il y ait un frère, une sœur, y a pas de problème. Ein Bruder, eine Schwester kann predigen. Amen. Mais de là à vous mettre à genoux devant un pasteur pour qu'il vous impose les mains alors que beaucoup sont dans l'adultère aujourd'hui. Aber vor einem Pastor niederknien, damit er euch nochmal segne. Qu'est-ce qu'il va vous transmettre? Was wird er euch übertragen? Il dit ce que nous lions sur la terre se lie. Alors qui peut vous lier? C'est Dieu qui vous a lié. C'est pas un homme wer, qui vous lie. Wer kann euch denn verbinden? Gott hat euch verbunden, nicht irgendein Pastor. Nous sommes d'accord? Stimmt. Donc, il y a la prédication. Eine Predigt also. Comme Paul dit en toute occasion, favorable ou non, prêcher l'évangile. Wie Paulus sagt, in jeder gelegenen und ungelegenen Stunde oder Gelegenheit gibt das Wort. Et puis, voilà, donc les familles sont là, tout le monde est dans la joie, tout le monde est réjoui, tout le monde jeder est encouragé. Jeder freut sich, Familie, Freunde, alle sind beisammen. C'est fini. Das war's. Voilà. Mais de là qu'on vous impose les mains. Und aber euch die Hände pour dire, Seigneur, voici le couple que nous t'amenons. Um zu sagen, Herr, das ist das Paar, das moi, le pasteur Jean-Jacques. Ich bin der Pastor Jean-Jacques. Mukanda. Mukanda. J'impose ma main sur ce couple. Ich lege meine Hand auf dieses
de là à aller voir un prêtre pour recevoir l'huile, je ne sais pas quoi, alors que lui-même est célibataire. Oder einen Priester aufsuchen, der euch Weihwasser drauf sprengt. On ne donne que ce que l'on a. Er selber ist le prêtre ehelos. N'a pas le mariage. Il va vous donner quoi? Der Priester ist, lui-même, il fait des détours comme ça. Il fait des détours. Im Zölibat und betreibt komische Sachen. Was wird er euch geben? Alléluia! Ne cherchez pas à avoir plusieurs tenues. Nehmt nicht mehrere Stützen an. Soyez à l'heure à la mairie. Soyez à l'heure à la mairie. Bitte, wenn ihr heiratet, dann seid pünktlich. Soyez à l'heure à la mairie. Pünktlich beim Standesamt. Je veux marteler là-dessus. Parfois, les mères attendent que les mariés chrétiens viennent. Quelle honte. Manchmal warten die Standesbeamten, une heure après, on voit pas les mariés. Christen, kommen. Deux heures après, on dit, mais ils sont où? Das ist eine Schande. Ah. Wo sind denn die? N'allez pas louer trois limousines. Vous n'avez pas d'argent. Arrêtez. Ihr habt kein Geld und wollt drei Limousinen haben für eure Hochzeit. Alléluia. Tiens, ton voisin, c'est de l'orgueil. Das ist Stolz. Une tenue à la mairie, une tenue à l'église, une tenue à la soirée, sorcellerie. Ein Kleid beim Standesamt, ein Kleid in der Gemeinde, ein Kleid zu Hause für die Abendveranstaltung, das ist Hexerei. N'allez pas faire de crédit. Nehmt doch keinen Kredit auf. Le mariage, ce n'est pas la fête là. Die Ehe besteht nicht in dieser Feier. Le mariage, c'est les rapports sexuels et c'est la vie de tous les jours. Die Ehe besteht im Geschlechtsverkehr und im täglichen Leben. Il y en a, ils remboursent encore les crédits de la fête 10 ans après. 10 Jahre später zahlen manche noch ihren Kredit ab von der Hochzeitsfeier. Tout ça pour montrer aux gens qu'on est, on a marié ses enfants. Quel orgueil. Nur um zu zeigen, wir sind gut verheiratet. Quand je me suis marié, j'avais une seule tenue partout. Als ich geheiratet habe, hatte ich einen einzigen Anzug. Ça m'a coûté moins de 200 euros. Weniger als 200 Euro. La famille, à la mairie. In der Familie, à la soirée, Standesamt, même costume. Abendveranstaltung. Même parfum, tui, partout. Selbes Parfum, selbe Krawatte, selber Anzug. De l'économie, nous sommes des économes, alléluia! Wir sparen, wir sind Sparfüchse. Si vous voulez voir la nature charnelle des chrétiens, allez à leur mariage. Wenn ihr die fleischliche Natur eines Christen sehen wollt, dann geht mal auf ihre Hochzeitsfeier. Vous allez voir la sœur Jeannette, mini jupe sexy. Ouh! La chantre. Die Schwester Jeannette mit mini rock sehen. Les talons, c'est des talons comme ça là. Mit so hohen Stöckelschuhen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe si on dit c'est le mariage? Was ist mit der los? Ja, die geht auf eine Hochzeit. Allez voir les jeunes chrétiens, pantalon jusqu'ici. Ça. Schaut euch mal die jungen Mariage. Christen an. Mit runterhängenden Hosen gehen sie zur Hochzeit. Regardez, chantre, mini-jupe. Serré, on voit leur forme et les pasteurs sont assis derrière. Seht euch mal die Sängerinnen an mit ihren engen Kleidern und die Pastoren sitzen hinten und schauen voisin, sorcellerie. Den Hintern an. Envoûtement. Hexerei. Magie noire. Schwarze Magie. Bon. Mais décidément, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Quand on touche la famille, là, le mariage, là, la sœur au fond. Es gibt viele Fragen zur Ehe. Vous avez parlé tout à l'heure, enfin, bonsoir, vous avez parlé tout à l'heure de songes. Quand on a besoin d'une réponse du bon Dieu, le bon Dieu peut nous parler par des songes. Mm-hmm. Wir haben gerade gehört, dass Gott in Träumen sprechen kann, wenn wir eine Antwort erwarten. Comment vous distinguez en fait que le songe vient de Dieu? Et ça c'est la première question. La deuxième question, c'est ça concerne le baptême. Il y a par exemple les gens qui étaient catholiques, enfin ils ont été chez les catholiques, on baptise des enfants, on prend le baptême quand on est encore pratiquement bébé. Moi particulièrement j'ai eu le baptême, j'avais un mois et demi. Donc en fait je savais pas ce qui se passait. Et entre temps quelqu'un rencontre en fait Jésus, il se donne à Jésus, enfin il reconnaît Jésus en tant que son sauveur.
dans ce cas, on doit se rebaptiser ou alors ça se passe comment après? Il faut se rebaptiser, ouais. Il faut se rebaptiser. Also, Frage... En fait, non, je ne dirais même pas qu'il faut se rebaptiser. Il faut se faire baptiser. Parce que ça, ce n'est pas un baptême. Frage, wenn man als Baby getauft ist, muss man dann nochmal getauft werden, wenn man sich dann wirklich zum Herrn bekehrt? Ja, muss man, weil das erste ist keine wahre Taufe. Tu as une question? On a déjà posé là-bas, c'est la même question, d'accord. Wow. Je crois que, vous savez, la plupart des gens qui posent des questions, c'est les femmes. Meistens stellen nur die Frauen die Frage. Posez-vous la question, pourquoi? Warum? La femme a besoin de plus d'assurance que l'homme. Die Frau braucht mehr Sicherheit als der Mann. Parce qu'elle va porter l'enfant, elle veut être sûre que l'homme est vraiment vrai ou faux. Sie trägt das Kind und sie muss sicher sein. Sie c'est muss pourquoi une femme, sein. Même si elle sent que c'est ça, mais pour dire oui, c'est, elle dit pas oui tout de suite. Hein, c'est beaucoup de, voilà. Weil die Frauen parce qu'il faut qu'elles soient rassurées. Sie müssen sich ah, einer Sache sicher depuis sein. Depuis tout à l'heure, Deborah lève la main là, on va lui. Vous savez cet enseignement là, mes amis, dans le, Dieu vous a béni, hein, Dieu nous a béni, mes amis, hein, il nous délivre. Hein. Der Herr befreit euch und hat euch gesegnet. Meine Frage ist, was passiert, wenn eine Frau einen Mann hat und mit ihm ein Kind hat, Kinder hat und dann einen anderen Mann, also fremd geht und dann mit diesem Mann ein Kind hat? Was soll dann die Frau machen? En fait, ce qu'elle voulait demander, poser la question, c'est que qu'est-ce qu'elle va faire si la femme est mariée avec un homme, ils ont des enfants, ils ont eu des enfants, mais elle trompe maintenant cet homme, elle part avec un autre homme, elle a encore des autres enfants avec l'autre homme. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? C'est ça qu'elle veut. Ok, waouh, il y a des femmes comme ça, malheureusement, ouais. Ah. Il y a de ces histoires sur Terre, hein. Es gibt auf der Erde viele Geschichten. Eh bien, la femme qui a été mariée devant Dieu, devant la famille, tout ça aussi, devant les autorités. Cette Frau, femme-là verheiratet qui, war vor den qui trompe son mari, qui est partie, qui a pris des enfants, qui a fait des enfants ailleurs. Und andere Kinder hat mit einem anderen, eh bien, il faut qu'elle revienne avec son mari. Muss zu ihrem ersten Mann zurückkehren. Avec les autres enfants. Mit den anderen Kindern. Bah oui, il y a des hommes qui sont tellement humbles, qui sont touché par l'amour de Dieu, qui accepte, qui pardonne. Manche Männer vergeben und sind von der Liebe Gottes berührt les enfants, und können diese Frau wieder aufnehmen. Mais c'est les enfants qui a fait avec autre homme, c'est ses enfants et les enfants de l'autre homme. Und die Frau, die sie mit dem anderen Mann gehabt hat. Est-ce que l'homme peut garder ses enfants là? Ben, est-ce que ses enfants sont demandés à venir au monde? Non. Eh ben, il faut en prendre soin. Voilà. C'est pour cela. Und die Kinder sind dann die Kinder beider Männer. Und der Vater hat natürlich Anspruch auf die Kinder. C'est pour cela que nous qui avons là, nous devons être bien enseignés. Qui pense que cet enseignement est capital dans nos églises? Wer glaubt, dass das eine ganz wichtige Lehre in unserer Gemeinde ist? Vous savez quoi, chrétiens? Christen. Beaucoup de gens vont en enfer. Viele Leute gehen in die Hölle. Et parce qu'ils sont mal enseignés. Weil sie nicht gut unterrichtet wurden. Mais je crois en même temps que les vrais enfants de Dieu, aber même s'ils si ont été mal enseignés, Gottes, Dieu les rattrape. Wahre Kinder Gottes wird Gott zu sich ziehen. L'enseignement sur la famille est capital. Die Lehre über die Familie ist sehr kapital. Très kapital. Sehr wichtig. Les frères qui collaborent avec moi, die Brüder, die mit mir zusammenarbeiten, s'ils ne sont pas corrects avec leur femme, je les avertis, s'ils continuent, je m'en éloigne, je m'en sépare. Wenn sie mit ihren Frauen nicht korrekt umgehen, sage ich ihnen Bescheid und wenn sie damit weitermachen, entferne ich mich von ihnen. Pareil par rapport aux femmes. Auch die Frauen. Parce que j'estime. Weil ich denke. Que les enfants, nos bouts de chou, ne demandent pas à venir au monde et à être déchirés comme ça, hein, ballottés d'un côté à l'autre. Denn die Kinder, die geboren werden, wollten nicht so geboren werden, von einer Seite zur anderen gerissen. Ils ne méritent pas cela. Und sie verdienen das nicht. On peut pas leur donner ce spectacle macabre. Man kann ihnen nicht dieses schlimme Theaterstück vorspielen. Ils ont besoin de l'harmonie.
Sie brauchen Harmonie. D'autant plus que nous nous disons chrétiens. Und wir nennen uns Christen. Les premiers enseignants des parents, ce sont les chrétiens. Die ersten Lehrer sind Christen. J'arrive. Faut pas. Un enfant qui est élevé sans la vision du père, mais cet enfant est déformé. Ein Kind, das aufwächst ohne die Vision seines Vaters, dieses Kind ist deformiert. Les enfants ont besoin de l'amour paternel et maternel. Die Kinder brauchen väterliche und mütterliche Liebe. 50-50%. Pour grandir dans un et avoir une bonne un bon équilibre. Um ein gutes Gleichgewicht zu haben. C'est pourquoi à Paris. Deswegen in Paris. Les jeunes qui veulent se marier. Sollen die Jungen, die heiraten on leur donne une formation. Eine Lehre durchlaufen, eine Ausbildung. Même quand je voyage ici, là, quand je vois des jeunes qui ont des projets de mariage, des frères ou sœurs, même moins jeunes. Sogar wenn ich rumreise und junge Leute treffe, die heiraten wollen. Je veux les voir pour leur parler. Möchte ich sie sehen, um zu ihnen zu sprechen. Pour leur donner des conseils. Um ihnen Ratschläge zu geben. Sur la famille. Über die Familie. Vous voulez détruire un pays? Wollt ihr ein Land zerstören? Pour détruire un pays? Um ein Land zu zerstören? Détruisez la famille. Zerstört seine Familien. Votez des lois qui détruisent le socle, la souche familiale. Und welche Gesetze, die antifamiliär sind? Parce que les gens de ce pays n'auront plus une bonne vision de l'homme, de la mère, et ils seront, n'est-ce pas, complètement perturbés. Und die Leute in diesem Land werden total durcheinander sein, denn sie haben keine gute Meinung, Vorstellung mehr, was ist der Mann, was ist der Chef, was ist die Frau. Vous savez pourquoi nos églises sont malades? Wisst ihr, warum unsere Gemeinden so krank sind? Parce que la vision de la famille n'existe plus. Da die Vision unserer Vision der Familie nicht mehr existiert. Il n'y a plus de vision de famille. Très, c'est rare. Keine Familienvision mehr. Vous allez à Kinshasa, par exemple. Geht mal nach Kinshasa. La plupart de ce qu'on appelle grands hommes de Dieu, qui sont à la télévision, sont des divorcés et remariés. Große Männer Gottes im Fernsehen auftreten, sind geschieden wieder verheiratet. Oui, ma sœur. Oui, ma question est ceci. Je parle aussi, c'est pour le mariage. Il y a les sœurs, une sœur et un frère qui ont le projet de se marier, par exemple. Et les parents disent que, ils sont catégoriques, ils disent que surtout les parents de la femme disent que non, mais ce garçon, il n'a rien, tu veux l'épouser parce que c'est un pauvre garçon, un va-nu-pied comme ça, tu l'épouses, il n'a rien. Tu veux l'épouser, il n'a rien. Et la Bible nous dit, il faut honorer ton père et ta mère. Alors que les deux s'aiment, ils veulent vraiment se marier. Dans ce cas-là, qu'est-ce que les deux enfants peuvent faire? S'ils se marient, est-ce qu'ils ont déshonoré leur père, les parents, ou bien... Je ne sais pas, je suis un peu confuse dans ce... Très bonne question. Zwei Leute, die heiraten möchten und die Eltern sind nicht dafür, aber sie lieben sich und heiraten trotzdem. Haben sie die Eltern nicht geehrt oder müssen sie warten, bis die Eltern ihr Einverständnis geben? Alors, il est dit dans la Bible. In der Bibel steht, que quand Dieu commence une œuvre, Philippiens 1:6, il achève. Wenn Gott ein Werk anfängt, vollbringt es auch. Si les projets de l'homme et de la femme viennent du Seigneur, wenn die Projekte des Mannes und der Frau vom même Herrn si les parents s'y opposent aujourd'hui, auch wenn die Eltern heute dagegen sind, l'homme et la femme doivent éviter le péché. Müssen der Mann pour que und Dieu die les Frau accompagne. Ils doivent éviter le péché sexuel. Sünde vermeiden, sexuelle Sünde vermeiden. Parce que le péché empêche Dieu de nous éloigner du Seigneur, bien sûr.
Denn die Sünde entfernt uns von les Gott. Deux doivent prier die beiden müssen beten et demander au Seigneur, und den Herrn fragen, ce projet vient de toi. Kommt dieses Projekt tu von dir? Confirmé. Es kommt, du hast es mir les parents s'y opposent. Und die Eltern sind nicht dafür. Nous ne voulons pas de guerre. Wir wollen auch keinen Familienkrieg. Seigneur, Herr, parle à nos parents. Sprich zu meinen Eltern. Et on a vu des cas comme ça où Dieu parle aux parents. Und es gibt Fälle, d'accord, in denen der Herr zu den Eltern parce gesprochen que l'homme hat. Qu'on peut rejeter aujourd'hui parce qu'il n'a rien, denn der Mann, demain peut devenir quelqu'un. Der Mann, der heute nichts hat, kann morgen jemand werden. Il faut d'abord que les parents demandent d'abord, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Die Eltern müssen sich die Frage stellen, ist das ein Kind Gottes? Bien sûr, les hommes qui veulent se marier doivent aussi être responsables. Denn die Männer, die heiraten wollen, müssen auch si verantwortliche Menschen sein. Vous ne voulez pas travailler, comment voulez-vous nourrir votre famille? Wenn du jemand bist, der heiraten möchte, aber du magst nicht gerne arbeiten, wie willst si du deine Familie ernähren? Si vous êtes encore un bébé, vous demandez du lait à vos parents, comment voulez-vous nourrir les autres? Wenn du immer noch als Baby zu Hause bei deinen Eltern bist und Milch von ihnen kriegst, wie willst du eine eigene la Familie nous gründen? Enseigne. Die Natur lehrt uns. Les oiseaux font d'abord leur nid. Die Vögel machen dabei erstmal ihr Nest. Avant de faire des œufs. Bevor sie Eier legen. On verra pas un oiseau. Du wirst keinen Vogel sehen. Une femelle faire des œufs qui tombent comme ça du ciel, hein? Non. Ein Vogel, der Eier legt vom Himmel.